finale, il faut l'avouer. Il a un peu de mal, soit il envoie, soit il joue en demi-donné, il se cherche encore un petit peu. Et puis l'autre clé, c'est est-ce que les jeunes Jean et Jean-Willy Feltin vont arriver à supporter la pression. C'est une finale championnat du France, c'était la partie la plus importante de la saison. S'ils tiennent le coup, Marco Fouillo peut rêver d'un cinquième titre. Première main dans cette 68e finale triplette des championnats de France de pétanque. Fouillo, Jean-Willy Feltin, Jean Feltin face à Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien. Très heureux hein, de retrouver Philippe Quintet et Philippe Suchot, les deux Philippe qui sont retrouvés du côté de Dreux et les voilà d'entrée encore en finale d'un championnat de France. Et Marco Fouillo, bah, Béziers lui va bien puisqu'il a été champion du monde sous les couleurs de Béziers. Voilà, c'est vrai Laurent, c'était en 1992 et Marco Fouillo avait été champion du monde avec Christian Fasino et Daniel Monard, le Lozérien. Et il était à l'époque sociétaire de l'AS Béziers Pétanque parce qu'il évoluait avec les deux grandes légendes de la doublette, Roger Marigot et Roger Marco. Alors, il fait très chaud hein, sur ce carré d'honneur, magnifique carré d'honneur là au pied du stade de la Méditerranée à Béziers. Des terrains fantastiques, des vrais terrains de boules, goudron, cailloux, c'est un régal. En tout cas, ça a été unanime de la part des joueurs. C'est tout à fait ça, Laurent, vous avez raison. Ça a été à l'unanimité de tous les joueurs et même des perdants, parce qu'il en reste que 6 à l'arrivée. À l'unanimité de tous les joueurs, c'est un championnat de France magnifiquement réussi, surtout au niveau de la qualité des terrains et au niveau de l'organisation, parce que je crois qu'on peut. On peut saluer le travail du comité de l'Hérault, certes, mais aussi et surtout de la Béziers Pétanque et de son président Jean-Michel Vidal. Allez, vous avez vu le visage de Manu Lucien, le voici. Qui a été très 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 bon en quart de finale et puis peut-être un peu moins bien. Mais c'est un terrain très très sélectif, très technique. Je dirais que Manu, on en parlait tout à l'heure, Laurent, je dirais que Manu Lucien, son problème, c'est qu'il se cherche encore un petit peu. Voilà, il envoie, un coup il envoie, un coup il joue en demi-donné, on sent qu'il n'a pas encore pris la mesure. Alors c'est vrai que vous allez me dire qu'il serait temps parce qu'il est en finale. Bon, mais je crois qu'il a vraiment le talent pour revenir. La première frappe dans cette finale pour bien, faire chaud, bravo, c'est poussé. Bravo. Bien fait. C'est Suchot hein, qui est quand même le joueur le plus titré. Pareil, hein. Allez Marco, allez. C'est le joueur en activité. Qui a remporté le plus de titres de champion de France, triplette Laurent, puisqu'il en a remporté 6. Hein Marco. Et dont le dernier était sous les couleurs des Ducs de Nice, avec Philippe Quintet et Henri Lacroix. Allez, Marco Fouillot. Allez Marco. Ah. Bravo Marco. Qui est presque chez lui, hein, lui le Montpellierin. Ah, on l'a dit, qui a joué longtemps hein, pour les couleurs de l'ASB. C'est un peu l'enfant de la maison. Allez, deuxième frappe. Philippe Suchot. Wow, et, carreau dans cette finale. Bah, voilà, Philippe Suchot, ben, c'est bien. Hein. Le grand Suchot. Aussi, hein, en bataillé dur en demi-finale pour venir à bout, notamment des frères Bauer. Ah, c'est vrai, une très très belle équipe du Tarn. Vraiment, cette équipe du Tarn, elle a fait impression. Vous rendez compte qu'elle a sorti hier Henri Lacroix avec Bruno Bursico et Hidalgo. Ah, oui, c'est quand même pas rien, l'équipe du Rhône. Et ce matin, elle a sorti tout simplement l'équipe de Dylan Rocher qui était associée dans la boule, à Molinas Père et Fils. Allez, Jean Fultin. Essaye de bien le prendre. Que vous pouvez découvrir notamment cette saison sur les étapes des Masters, sous le maillot de l'équipe de France. Mais Dieu t'a bien joué. Alors la pointe de Jean Feltin a été aussi le déclé, Laurent. Hein, parce qu'on le sait, hein. Jean Feltin, celui qu'on appelle Moineau, hein, c'est un garçon qui est tireur de tête. Donc là, il se retrouve au milieu parce que son cousin Jean-Willy Feltin est lui vraiment un tireur pur. Et c'est aussi une clé. Est-ce que Jean Feltin, s'il a beaucoup à pointer, va tenir la cadence? Le voisin, petit cousin Jean-Willy Feltin. Super. Bravo, toi. Bien, t'as collé une Russine à côté. Bravo. Bien, bien. Il est bon, mon point là-bas. Sûrement que tu. Ouais, Marco Fouillo dans le rôle paternel, hein, cette triplette. Heidi, je me régale avec ces deux gamins parce qu'ils ont une marge de progression énorme, évidemment. Et puis surtout, apparemment, ils sont à l'écoute. Allez, encore. Allez, le roi Quinquin. Il y a des problèmes de conjonctivité.
problème aux yeux en ce moment. Problème d'allergie. D'allergie, oui. À ce qu'il vole un petit peu, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de vent hein, ce week-end ici à Béziers. Et à force de se frotter l'œil, ça y a fait une allergie. Mais bon, dans les moments chauds, il est toujours là. Dans le rôle du milieu. Ouf. Oh là là. Ben voilà, là il commence par. Ça s'est pas donné celle-ci. Hein. C'est pas loin devant, elle a sauté par-dessus. Elle a sauté par-dessus. Regardez. Droit. Voilà, mon petit mal. Bah, c'est sur n'importe quel autre terrain, il fait carreau. Hein. Allez, c'est un petit peu de sablé. Ouais, rien gratté du tout. Hein. Ouais. Allez Manu, encore. Allez Manu. Être joueur de la Ligue Centre. Ah, c'est pas mal joué, mais il est passé derrière la voiture. La voiture. Perdu. Qu'est-ce que je raconte derrière la boule les gens, en fait. On a trop le tour de fond. Je suis pas pressé de partir. Chier, merde. Allez, et aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Marion Barthélémy qui sera notre homme de carré d'honneur. Et après cette semaine, nous irons le voir. Mais qui sera avec le parrain de ces championnats de France. Bon. La personne de Michel Loire. L'initiative de Jean-Michel Vidal. Qui a voulu inviter Michel Loire parce que Michel Loire, c'est le recordman des victoires de l'international de Béziers. Et comme Michel Loire n'avait pas d'équipe cette année, il ne s'est évidemment pas qualifié puisqu'il n'a pas joué. L'année prochaine, il a été promu parrain à cette compétition. L'année prochaine, il sera associé avec Carré Lacroix et Bruno Le Borsico. Ah, il a traversé. Assez cher, c'est Quinté. Bon, peut-être debout, de rajout pour les cousins Feltin. Tu sais que moi j'adore envoyer, mais là c'est impossible. Tu vois, regarde, tu as un départ là, tu vois. Tu as un peu de gravier bien droit, tu laisses faire. Hein. Tu es venu nature, Mono. Hein? Allez, Mono. Allez, pas de allez bien, encore. Là. Allez, Mono. Toto, mets-toi là. Ouais. C'est ça, c'est le rôle de manager, papa et leader d'équipe, Marco Foglio. Allez, ton départ est là dans le dernier. Allez, arrive bien. Marco, 60 ans. Ouais. Et qui aura fait une très très belle saison, vraiment. Arrive. Pousse que t'as bien joué. Pousse. Ah, c'est pas mal joué parce qu'il risque de prendre le but. Tiens un poil, peu fort. Tiens poil, Courteline. Il a joué juste. Non, je sais pas si t'es rentré. Non. Je sais pas. Il joue avec mon nom. Hein ? Ouais, Toto, avec la mienne, toi. La tienne, ouais. Regarde, hein. Tu donnes un coup de tête à celle-là. Elle est pas mal ton poteau frère, allez devant. Hein tu peux le mettre, ça fait deux. Face. Allez, en face, on te laisse venir frère. Tu as ton départ là, tu le vois le départ. Il faut pas que Attends. N'envoie pas là. Hein. Là ici, c'est tout là. Hein. Ouais. D'accord. Allez toto, elle est pas mal la mienne là. Hein. Allez, charge bien dans celle à moineau, tu en fais trois là. Allez, c'est de rentrer, attention, de ne pas trop traverser, d'aller prendre le bouchon. Voilà, c'est le risque. Ouais, il a bien joué. Bravo, il y en a deux. C'est bien, deux. Bravo, c'est parfait. Les deux premiers points de cette finale sont pour Marco Foglio, Jean-Willy Feltin et Jean Feltin. Les Héroltais mènent 2 à 0. Allez, on va rejoindre Marian, comme on vous l'a dit, avec Michel Loire. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui, en compagnie de Michel Loire, le champion d'Europe en titre. Oh, Michel, pas trop déçu de avoir pu participer à ce championnat de France parce que les terrains étaient vraiment faits pour vous. C'est sûr, mais bon, faut savoir de temps en temps abandonner une saison pour faire une grosse équipe pour l'année prochaine. Très content de voir le niveau qu'il y a eu pendant deux jours. Et puis forcément, démonstre tout ça fait en finale à Béziers. C'est super pour Jean-Michel et toute son équipe. Alors quel a été votre programme du week-end? J'ai serré les mains, j'ai discuté, j'ai fait le tour, j'ai critiqué, j'ai regardé le niveau de jeu, ça m'a permis de revoir beaucoup de personnes que j'avais pas vues depuis pas mal de temps. Quand on est dans la compétition, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de voir du monde, on est à fond dans la compétition, que là forcément j'étais un peu plus détendu et j'ai vu beaucoup de monde, ça m'a fait plaisir. Très bien Michel. Et il a suivi une chronique dans le Midi Libre, notre ami Michel Loin, pendant 4 jours, avec notamment quelques thèmes très intéressants. Deuxième main, 2 à 0 pour la formation de Marco Foglio.
Et on le disait, c'est important pour eux de bien démarrer cette finale. La deuxième jet de bouchon. Voilà. Ben, ça devrait être bon. Allez Marco. Et on a tout de suite croisé. Hein. On a croisé le bouchon sur le terrain. T'as envoyé. Hein. Allez. Allez, Marco Feuillot, il sait, hein, comme on le disait tout à l'heure, que s'il parvient à prendre le dessus sur Manu Lucien à la pointe, ça peut être très très intéressant pour son équipe. Presque 9 mètres. Ah, bien joué. Bien joué. Parfait, rien à dire. Je vais pas envoyer de ce côté. Allez, Fifi. Allez, Fifi. Bien, ouais, bravo, allez, bien. Allez pour Philippe Suchot. Bravo Fifi, super. Allez Marco. Il est là ou là, je crois. Pas Marco, attends. La glissée, elle est pas mal non plus. Ah, c'est à dire que là-bas, tiens, c'est que des pieds. Hein. Tu la glisses un petit peu, elle vient tout soit seul. Soit j'envoie un mètre devant le bouchon, est-ce que je vais bien tomber ou Marco, je moi j'assurerai. Bouchon, c'est 80 euros. Marco, là. Désormais, là. Avec ce c'est pas moi j'assurerai. De fil Suchot. Allez. Hein, là, c'est en bois, ça va ou ça va pas. Ouais, je sais que c'est que des pieds. Non, c'est tout. Ouais, faire rouler, trouver une donne avant un petit peu ce champ de bataille. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Bon, ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Hein, il met la table au Foglio là. Faut jouer les deux, 4 sur 4. Deux, hein. Hein. Déjà, les deux. 4 sur 4 en domaine. Chaque fois des points qui comptent. Allez, mieux. Et qui envoie surtout. Fait chaud. Chaud. Lui aussi, il est à 3 sur 3 pour l'instant hein, au tir. Bravo. Et voilà, lui aussi 4 sur 4, bravo. Voilà, Suchot, Foyot, sans nul sur les domaines. Et ils font du spectacle par ailleurs. Voilà. Hein, allez mon mono. Allez mono. C'est toi qui m'as montré par là, tu vois, je sais pas où. Ici là, non? Ouais ouais. Parce que là c'est mauvais, il n'y a que des pierres là, tu vois. Ouais, Laurent, vraiment allez, mono, un début de finale qui est quand même assez somptueux parce qu'il s'est perdu un minimum de boules. Parfait. Alors, regardez. Là, tu as fait du jeu, papa. Bien. Bah, ils sont bien. Presque embouchonnés. Ils sont bien, les 0T. Hein. Vraiment, ils sont bien. Alors, attention. Départ de bouchon ou pas. Si d'aventure Philippe Quintet venait à frapper. Oh, très probablement, parce que regardez, ça colle. Hein, ça colle un bouchon. Puis... C'est obligatoire que le bouchon bouge. Il a embouchonné, Moineau. Et voilà. C'est annulé. Voilà qui est fait avec cette deuxième main annulée. Score inchangé. Toujours 2 à 0 en faveur de Marco Foyot. Donc il est sorti des limites du terrain. Sur cette deuxième main, personne ne va marquer. Score inchangé. La cuisine, on peut y connaître ses premières angoisses et ses plus grands bonheurs. On peut y exprimer son talent et faire face aux critiques. On peut enfin y être soi-même et en découvrir les limites. Et parfois même, on y cuisine. Mobalpa, des espaces pour mieux vivre. Avec OneN1, créez vous-même votre site web. Vous pouvez tout personnaliser et tout actualiser à tout moment. Intégrez des applications et élargissez votre réseau. Avec les outils de référencement, tout le monde pourra vous trouver. Le site web à concevoir soi-même. OneN1.fr. Il y a deux jeux, hein. Soit j'envoie là, mais c'est limite. Hein. Troisième main. Allez, vous n'avez rien perdu. Pire, Marco Foyot a envoyé le bouchon assez près, hein, quand même, Jean-Michel. Ah, c'est assez involontaire, je pense, Laurent, parce que je ne pense pas que son intérêt de jouer trop près, mais sur ce terrain, on peut avoir des surprises. On avait surprise avec les boules, on imaginait avec le but. Allez là. Allez, vraiment, à souligner, hein, Laurent, c'est très très bon début de partie. Vas-y, joue comme tu veux, mais formation moi je joue, voilà. Formation de Castelnau-le-Lez. On imagine que Marcel Bousquet, son président, doit être
assez heureux, notamment l'un de ses vice-présidents, Alain Lamoureux, que l'on salue. Parce que Castelnau-le-Lez avait été quand même vice-champion de France il y a 2 ans, souvenez-vous, Laurent, c'était à Souston. Grâce à Bécart, Hoffmann et Renard qui avaient perdu en finale face à la famille de Darode et Sevilla. Deux finales pour l'instant en 2 ans pour le club de Castelnau-le-Lez qui fait partie des. Qui est même le plus grand club actuellement dans l'Hérault. Alors pour Lucien, ça va réussir à dépasser la boule de Marco Foyo. Mais attention, parce qu'elle est un peu dans le jeu. Allez, gagne-le. Voilà, presque comme tu veux. Oui, mais voyez, gagne-le. Vous voyez, on a vu un petit truc là, Laurent, c'est que Philippe Quinté lui a demandé d'envoyer un peu plus loin et on sent qu'il n'est pas en confiance, Manu Lucien, il va jouer en demi-donnée. Alors qu'apparemment, il y a une bonne donnée à l'envoi. Ça, c'est le signe d'un joueur qui n'est pas vraiment en confiance parce qu'il a fait une demi-finale difficile. Là, il accroche. Là, il accroche tout. Vous voyez. Voilà, voilà ce que c'est un joueur qui n'est pas en confiance parce que Manu Lucien, c'est un garçon qui a du talent. On le sait. Allez, mais ça va pas l'arranger. Et maintenant, elle n'est pas gagnée. Donc, je veux jouer un peu plus haut, je suis fou. Et voilà. Allez, voilà, jusque-là, c'est pas mal. Hein. Ah, ça fait haut après. Ah, vas-y, si. Je la tienne. Allez, de Philippe, Manu. Il savait qu'il faut encourager. Hein. Il faut encourager Manu parce qu'il est, il traverse une période difficile. Là, après sa demi-finale en demi-teinte, son début de finale est assez moyen. On se souvient qu'il a effectué un quart de finale exceptionnel. Oh là 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 là, où il est allé la jouer celle-ci. Ça va. Oh là 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 là, mais comment il est allé la jouer? Il est passé. Allez, avec un coup de poignet extérieur. Ouais, mais ça, alors qu'il y avait la place de l'autre côté, donc ça prouve que son coup de main naturel ne l'aide pas, ne l'autorise pas à jouer du côté droit. Tu regardes? Ah, faut regarder. Ah, tu l'es. Moi, je t'ai stupé. Regarde. Allez, il faut se reconcentrer. C'est bon. Ouais. 4 cm. Allez, il est au à Manu Lucien, ce point. Il est de la fatigue, parce que 4 cm, sans possible, ça se voit à l'œil. Ça se voit normalement, oui. Ah, ce sont quand même des joueurs qui ferraillent depuis hier matin, 8h. C'est 192 triplettes, on le dit. On voyait à hauteur. C'est le championnat le plus dur au monde. Et un championnat qui va revenir probablement à 256, hein, parce que l'expérience de rajouter dans le V64 équipe pour faire un champion de France promotion, elle n'a pas été très concluante. Et beaucoup de joueurs se plaignent que un championnat de France à 192 permette des cadrages. Voilà. Donc a priori dès l'année prochaine, on aura un championnat de France à 256 équipes, Laurent, et le championnat de France promotion passera à 128 et se jouera en même temps qu'un championnat de France féminin. T'es sûr? C'est pas signé, mais presque. C'est en pleine voie. Alors, il est rentré à 2, Marc. A priori, oui. Hein. Ah, faut regarder alors. Ah. Allez, on le met. Alors, on va mesurer ce deuxième point. C'est possible. Alors, allez, c'est en a 2. C'est bon. Marco Fouillot qui va vérifier. En général, à ce niveau-là, ça ne se fait pas. Attends, non. On fait confiance à l'adversaire. Ouais, il n'y a plus d'un centimètre. Il y en a qu'un. Allez, on va tirer. Allez, ouais, ouais, fais de la poussée. Ouais. Alors, allez, mon fifi. Tire pas très simple. Il faut lever. Quasiment, ouais, elle a sauté. Il peut tirer dans les deux, hein, c'est les deux adversaires. Voilà, mais bon, le problème c'est qu'il n'y en a qu'une qui est passée. Ouais, bah t'as pas rien fait. Ah, c'était en ligne, Allez, on va retirer. Ça, il faut détruire avec, dans la mesure où Manu Lucien souffre un petit peu. Allez, après, il faut détruire. Ah, fille. Allez. Petit carreau, ça a rééquilibré la main. Déjà frappé. Bravo. Ah, vous l'avez dit, super. Vous l'avez dit, Laurent, bravo. Son deuxième. Il va falloir en faire, pour rattraper, je dirais, Manu, parce que pour l'instant c'est pas le pied. Ah ouais, celui-là il est. Ah, ils vont tirer la boule. Même si j'ai confiance, il est dur à gagner. Je sais. Allez. Allez, tour. Très difficile à gagner, oui. Sur un terrain comme ça. Allez, Jean-Willy Feltin, regardez, il réfléchit pas 2 heures. Hein. Sautez.
tireur d'instinct. Hein. Il fait pas trois allers-retours avant de tirer. Il n'a pas besoin de la minute. Hein. Dommage. Et le mêlée qui s'équilibre au balancier. Tu sais, parce que deux boules pour Kenté, les quatre points par terre, et trois boules pour le cousin Feltin. Tu es capable de le faire, tu l'as fait en demi-finale tout à l'heure. Moi j'en verrai là, si tu la tiens bien comme il faut, tu peux. Déjà si tu rentres après. Quoi que ça, c'est la vôtre aussi. Et ouais, ils ont. De toute façon, ils ont quatre boules par terre là. Non ? Allez, moi non. Allez, là. Allez, à hauteur. C'est, tu là, peux y c'est aller. Là où le rôle du milieu est très important. Alors, on a ce genre de main, jusqu'à maintenant, Jean Feltin l'a tenu à merveille depuis hier. Faut qu'il aille se marier avec. Aïe, aïe, aïe. Il en laisse deux. A priori, il devrait en laisser deux, je pense. Hein. T'as bien frappé, mais tu es court la main. Ouais. Il y en a deux, non ? Ouais, ouais. Tu en as. Putain, c'est retourné cette main. Ouais, oui, elle s'est retournée grâce au carreau de Philippe Dujot. C'est ça. C'était le seul salut là pour. C'est dommage que le moineau est. Pour quelqu'un, il n'y a pas sa formation. Ouais, Marco, bah écoute, Marco il sait que cette main elle était importante parce qu'il menait. Hein là, c'était roté, tienne, il pouvait hein, encore bien se trouver, s'échapper un petit peu. Allez, maintenant pour Jean Feltin, vous pouvez venir. C'est déjà en coupé. Allez, sur cette bouille qui la tienne, elle te fait guide là. En coupé un de plus. Voilà, mais surtout venir fermer le jeu en venant se marier avec la boule qui a le point. Ah, il, non, passé, oh, il, passé, passe, il est passé, il en a laissé deux encore. Ça, il en a laissé deux, Laurent. Eh oui, c'est grave, il a raison, Marco Foyot. Ça, c'est pas bien joué, hein, parce que tu dois jouer carrément, tu charges dans la tienne, hein, ça t'arrive pas. Tu prends soit la tienne, ou tu empruntes le bouchon ou la sienne. T'avais trois choses à prendre. Ah, c'est pas grave. Chaque fois. Et voilà, voilà, on l'a dit, hein, Laurent, en début d'émission. La pointe de Jean Feltin, ça peut être une clé parce que c'est un tireur avant tout. Jean, quand il joue à l'équipe de France, il est le plus souvent tireur de tête. Hein. Ah, moi non. Allez, Toto, allez, c'est pas grave. Allez, Toto, tu joues de allez, là. Essaye. Te gêne pas. Hein. Allez, si tu attrapes celle de Toto, deux. Ou le bouchon, c'est tout pareil. Prends-le. Mais voilà, et lui aussi, il en laisse deux. Il est. On peut dire qu'il est malchanceux, hein, il est passé au milieu du but et du bouche et de la boule. C'est comme si on avait les quatre boules, c'est comme si on les avait pas jouées. Si on les avait mis derrière le rond, c'était la même. Hein. Il laisse deux points par terre et deux boules en main à Philippe Quintet. Oh là là. Alors. Allez, essaye encore. Deux boules pour Philippe Quintet. Ouais, tu peux jouer par le haut si tu veux. Ouais, je sais pas. Enfin, vas-y, toi, tu vois. Faire attention de ne pas emporter le bouchon. Allez, il faut pas mal tomber. Il faut pas mal tomber parce que Philippe allez, il va la jouer juste, c'est sûr, le connaissant, allez, mais il faut pas mal tomber. C'est un terrain piégeux, on l'a dit. Très technique. Allez, Philippe. Allez, Philippe, il ne devait pas s'attendre à avoir une main aussi facile à l'arrivée. Ah oh là là, oh là là, oh là là, il est rentré dans la boule de Feltin. Ça veut dire qu'il n'a plus qu'un point. Ah, je l'ai remonté, à peine je l'ai remonté, elle est rentrée. Ouais. Et en revanche, il tire à 3. Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais de toute façon, il a encore la possibilité de frapper. Allez, bien, ouais, enfin, on a tiré la dernière. Hein. On a vu ce que ça donnait tout à l'heure en demi-finale pour Stéphane Robineau. Hein. On n'est pas remis, le pauvre. On le comprend, franchement, on le comprend. On a vu dans un état. Allez, Philippe. Allez, il tire à 3, Philippe Quintet. Il en a démarqué un. Ils ont toujours la marquée, les joueurs du centre, département de l'Eure-et-Loire. Allez. Ouais, je croyais qu'il allait jouer au-dessus comme il m'avait dit, mais je ne vais pas en dessous. Wow. Allez, ah, ça c'est fait. Ça fait 3. Ça fait 3-2. Le roi Quintet, Philippe Suchot et le Lucien inscrivent leurs 3 premiers points dans cette finale et prennent les rênes au score pour mener 3-2. On rejoint Marian qui est avec le joli président. Oui, je suis avec les trois présidents. Alors déjà avec le président Cantarutti. Président, c'est un très beau championnat de France triplette. Absolument magnifique et bravo à tous les organisateurs et tous ceux qui ont permis que la fête soit très belle. On est très heureux et bon, c'est merveilleux de voir ça. On a un super championnat, bravo. Bravo à tout le monde. Avec le président du comité de l'Hérault, président, il y a eu vraiment osmose avec la SB Pétanque. Absolument, donc avec Jamy depuis le début, nous travaillons la main dans la main et je crois que, bon, comme le disait le président Cantarutti, la fête est très belle et nous aurons un beau champion de France sur des terrains aussi sélectifs que ça. Oui Jean-Michel, alors toi tu en as organisé des événements, là vraiment tu as mis le paquet, tu as fait vraiment des jeux explosifs. Oui mais c'est gentil, de toute façon voilà, au bout il n'y a que des champions, il fallait des terrains comme ça pour que le talent ressorte, on espère qu'on a réussi.
Merci messieurs. Voilà le trident qui a organisé ces beaux championnats de France. Merci à eux. Bravo effectivement. La dernière fois que Béziers avait organisé un championnat de France, c'était en 1961. Ça commençait à dater. C'est même Béziers et le département de l'Hérault, Laurent. Un championnat de France triplette senior, ça faisait donc 52 ans. Voilà. Et c'était déjà à Béziers. Et alors, ça a donné des idées, parce que je peux vous dire, j'ai eu une indiscrétion dans le week-end, Laurent, ça a donné des idées au comité de l'Hérault de sport joueur, une jolie lyonnaise qu'on connaît bien maintenant. Guy Vignal, le président, est venu faire une visite et il a envie d'organiser un championnat de France sport boule ici à Béziers. Vous voyez comme quoi. Mais il va falloir faire travailler Jean-Michel Vidal, parce que c'est vrai qu'un maître d'œuvre, on a quand même besoin de lui. Allez, Manu Lucien, dépasser le bouchon, 50 cm derrière. C'est vrai que quand on se rappelle sa prestation en quart de finale, où il est embouchonné quasiment à chaque main. Un quart de finale qu'ils ont remporté les joueurs de l'Eure-et-Loire face à une très très belle triplette. Du Var, celle de Richard Bétoni, avec Khaled Lacalle. Oh, t'as vu ce... sur quoi, et le Romain Guyenne qui avait disputé la semaine dernière les demi-finales Champions de France tête à tête et qui sur sa lancée a atteint les quarts de finale Champions de France. Sur un pas bien. Bon, ouais. C'est vrai que l'équipe de Philippe Quintet, après s'être sortie d'une partie très compliquée en huitième de finale, face à une équipe nordiste où elle a terminé sur 4 carrés. C'est vrai que cette équipe en quart de finale elle a par contre déroulé. Allez, on mesure pas quand même. Je appelle à l'arbitre, monsieur l'international, monsieur Patrick Dessé. Elle est arrivée là, elle était ici la boule, elle a fait le maximum. Lors des Masters, il y a quelques temps. C'est pas vrai ça. Ah, l'occasion, pendant que Marco Fouillot mesure, Laurent, pour donner quelques rendez-vous. C'est aussi l'occasion, ce championnat de France. Et notamment du côté de Palavas, pas très loin d'ici, Jean-Michel. Ah, bah, du côté de Palavas, où il va se passer un événement assez... Rien inédit, pour ne pas dire totalement inédit, puisque Gilles Bonucci, le président de Palavas Pétanque, organise la plus belle compétition au monde en pétanque féminine. Eh oui, vous ne rêvez pas, ça se passera le 9, 10 et 11 août, donc à Palavas, ça sera un international féminin qui sera doté de plus de 8000 euros. Vous vous rendez compte ce que ça donne? Ça parle quand même, 8000 euros, 256 doublettes et des joueuses du monde entier. Allez. On attend les Russes, les Suisses et les Américaines et évidemment allez, les meilleures joueuses du monde, les Espagnoles, les Françaises, voire les Italiennes. Allez, pour le moment, on a beaucoup discuté sur ce carré d'honneur. Allez, deuxième chance et dernière chance pour Marco Fouillot. Voilà, allez, on va faire appel à Suchot. Ah, il en a laissé une en route, Marco Fouillot, c'est sa première. Mais pour 4 minutes. Allez, bien, bravo. Bien. J'ai failli contrer, hein. Ouais, il n'est pas passé, bon, effectivement, sortie, regardez. Hein, cette boule qui va partir à gauche. Allez, on n'avait pas une bien. Allez, moi, donc tu vas rentrer. Il avait pris trois quarts boule. Vas-y devant là. Bravo. On avait joué. Parfait. À part la main précédente, où il n'a pas très bien pointé. Pour l'instant, il est là. Parfait. Il est mis en contre même. Bravo, sans contre Philippe Fuchot. Bien, bravo. Qui pour l'instant n'a toujours pas manqué. 8 Laurent. Sur 8. 8 sur 8. Et bien dans sa finale, hein. Cruchot, on le surnomme. Ouais, mais... ah, regardez, quelle belle image avec le fanion. Et l'occasion de dire, Laurent, quand on voit ce fanion bleu, blanc, rouge, le fanion qui a été transmis du comité de l'Hérault au comité de la Corrèze, hein, puisque l'année prochaine, c'est à Brive que nous nous retrouverons pour ce championnat de France triplette. En espérant, on l'a dit, d'avoir un championnat de France triplette à 256 équipes. La Brive-la-Gaillarde. Allez, Mono Feltin qui lui aussi, on l'a vu sur les stats, à part on l'a dit, la main précédente, il a très très bien joué. Quintet. Il va frapper sa deuxième boule pour le moment dans cette finale. Troisième, il avait manqué la première. Oui. Il avait fait palier à la seconde et celle-ci elle est chiquée. Elle est pas bien tirée, il est court. Hein. Regardez, il est vraiment court. Pour le joueur de hanche, il est pas tout à fait droit en plus.
Regardez cette image, c'est des belles. Il y a plus de 3500 spectateurs cet après-midi pour cette finale ici à Béziers, dans ce magnifique carré d'honneur, là au pied du stade de la Méditerranée. C'est vrai que. Allez Manu. Regardez, allez, Manu. Tout ce public qui est là depuis hier, hein, parce qu'on a mis des parties dans le carré d'honneur depuis hier. Et certains, à part pour aller boire un coup et dormir cette nuit, ils n'ont pas bougé de là. Allez, il valait mieux boire, hein, avec la chaleur qu'il a fait. Manu Lucien, la première, il avait déplacé le bouchon. Et là, il est court. Ouais, c'est ça le problème, parce que Manu Lucien, il n'arrive pas à mener ce petit plus. On peut attendre de lui. Pas de boule. Alors messieurs, en fait, les boules de Manu Lucien, ce qu'il y a de pas bien depuis le début de la partie, c'est qu'elles sont jamais, jamais en face du jeu. Et il est toujours bas, et oui. Mais sur un terrain qui est un peu pentu, c'est pas très bien joué, parce qu'il vaudrait mieux les jouer un petit peu plus haut et compter sur la pente pour qu'elles s'arrondissent. Et lui, il est bas tout de suite au lâcher de boules. Ah, elles sont pas bien jouées, c'est vrai, on avait dit. Mais il va se reprendre, Manu Lucien, oui. On fait confiance. Garçon adorable, vraiment. Et là il découvre, c'est un garçon qui jouait dans la cour des grands, et là il découvre la cour des très grands. Voilà, ben, c'est ça aussi. Hein. Première grande finale. Coupe France. Allez, voilà. Lui c'est Philippe Quintet. Voilà, le roi Quintet qui est venu faire ce devant de boule. Mais ils ont plus de boules, hein. Ils ont plus de boules, les joueurs de l'Eure-et-Loire, Laurent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Depuis le parcours Fouillot et Jean-Willy Felter, à la 2. Deux points, deux boules pour marquer. Pour le jeune Castelnovien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le faire pointer avant? Ah, ben oui, parce que si on tire là, regarde. Si on tire là, que. De toute façon, ton poteau, t'as rien à être court, frère. T'es droit. Non, mais de toute façon, il y a deux jeux. Le surnom de Jean-Willy Felter, c'est tout poteau. C'est sur les deux, elles peuvent partir. Si vous entendez, mais en tirant, suivant comme tu tires, tu peux flinguer ces deux boules. Hein. C'est bien ton poteau. Allez, bien. C'est un choix. Il faut marquer dans la main. Voilà. Tu as deux boules. Fais comme tu veux. Et si tu as un contre, eh ben, tu essaieras de pointer. On ne joue pas à la maison. Hein. Une finale du championnat de France, c'est ma 13e pour moi. Alors ça va. C'est mon chiffre. Hein. On n'est pas la tête. Hein. Tu fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu en penses, mon poteau? Hein? Allez, vas-y. Allez, Toto, frère. Allez, fais-toi plaisir. T'es capable de faire un carreau, toi, là. Allez, régale-toi, allez. Allez, frère. Ah, il va tirer, finalement, ton poteau. Ah, il a failli passer seul. Est-ce qu'il en a fait assez? Je pense pas. Non, là, il est toujours chose, hein. Non. À Philippe Quintet, le point. Mais elle est un petit peu plus facile à tirer. Disons qu'il y a moins de risque de frapper la sienne, en même temps. Et vous voyez, elle s'est un petit peu décollée. Ça avec passe, non? Qu'une seule boule, comment on ferme une main? Non. Allez, Toto, j'ai confiance, t'as 20 piges. Allez, fais-moi plaisir. Comme à l'entraînement. Comme tu sais faire. Hein? Regarde. Ouais, voilà, bouger le bouchon, regarde. Hein? Allez. Allez, mon maintenant Toto. Qu'il l'a décollé, allez, le regarde-toi. Est peut-être plus simple à tirer. Allez, regardez ce style. Tout en souplesse. Et voilà. Bravo. Et là, un point. Allez, il l'a mis dans un fauteuil, là, Marco Foyot. Il lui a enlevé toute pression inutile. Et un point supplémentaire pour... Marco Foyot, super. Jean-Willy Feltin, 3 partout, égalité parfaite. Jean-Willy Feltin, face à Emmanuel Lucien, Philippe Quintet et Philippe Fuchot, la Ligue du Sud. Si on pointe, je vais te dire. Si on pointe, on ne va pas marquer. Alors, il faut prendre des risques. Il a mis la boule. Tu fais une finale, il faut la jouer à fond. Dommage, c'est un peu proche. Ouais, Toto. C'est bien, c'est important. Voilà, il n'y a pas de. Alors, si dans une équipe, on parle beaucoup. C'est vrai qu'on est un peu discret là du côté. Si dans une équipe, Marco Foyot parle beaucoup. C'est pas pareil. Je vous laissais corriger. Dans l'autre équipe, c'est assez partagé, mais ça parle peu quand même. Allez, on va retrouver Marion. Je suis avec un homme heureux, messieurs, avec Dominique Rouget, qui est champion de France promotion cette année. Ça s'est déroulé il y a quelques heures. Vraiment, pour toi, c'est que du bonheur. Ben oui, parce que ben, le championnat promotion avec mon frangin et un ami Jean-Claude Desbourg, on s'était qualifié à la Ligue Midi-Pyrénées en perdant en finale et on s'était dit qu'on essaierait de faire mieux aux France et les choses promises, choses dues. Donc on est très contents. Ben, il faut savoir que Dominique a été champion de France minime au cyclisme et il s'est reconverti à la pétanque. Quelle belle reconversion! Bravo Marco. Oui, c'est vrai. Bravo à cette équipe de Tarn-et-Garonne qui a battu en finale une très très belle équipe de Lorraine. Vraiment une très très belle finale. Cinquième main.
ce championnat de France promotion. Allez, qui a un peu de mal à démarrer, mais on en connaît la raison. Hein. C'est Pascal Collot, champion de France honneur. Allez Manu, essaie d'approcher. C'est tout à fait logique. Donc il lui faut une date à lui et de monter à 128 équipes, mais ça c'est presque fait. Avec Marco Foglio, 40 cm déjà avant derrière sur le deux. Emmanuel Lucien qui fait une belle reprise. Emmanuel Lucien, voilà ce qu'il lui fallait. Une belle reprise, vous l'avez dit. Là, vraiment demi-dôme. Hein. Oui, mais depuis le début, c'est Suchou et Quinté qui n'arrêtaient pas de tirer. Là, regardez, la mène, c'est Castelnau qui va tirer maintenant. Fait. Voilà. Et oui, mais voilà, mais oui, mais ça change. Il est en place là. Bien tiré, trop bien tiré même, puisqu'elle a généré un contre. Ça sec. Change beaucoup de choses hein, quand un pointeur met la table, comme on dit. C'est ça, hein. T'es puni. Allez, fais partie des boules. Hein. Faut positiver toujours, même si des fois ça te gonfle un peu. Donc quand c'est comme ça. Hein. Allez. Marco Foglio qui a un problème au pied apparemment. Ouais, il boite un tendon d'Achille pour être précis. Alors est-ce qu'ils vont nous refaire, je sais pas, je crois que vous étiez encore jeune Laurent, la fameuse finale championnat de France doublette, c'était je pense en Savoie avec Daniel Voisin contre Marco Foglio. C'était assez extraordinaire. Daniel Voisin avait arrêté la partie pour une soi-disant ampoule au pied. Il était malmené, il était revenu, ça allait beaucoup mieux, il était passé devant. Et là c'est Marco Foglio qui soi-disant avait une ampoule. Ça avait été une finale assez incroyable. Et à l'arrivée, c'est Voisin et Suchot qui s'était imposé. Allez vieux. Allez, continue. Ouais, son premier titre, Suchot, c'était en 98 à La Roche-sur-Yon. En triplette, ouais. Avec Fasino et Didier Velu. Didier Velu qui avait remplacé Daniel Voisin, opéré d'une hernie discale quelques semaines avant le championnat de France, et qui, à l'époque, on pouvait remplacer un joueur absent. Maintenant, on ne peut plus. Donc, c'est Didier Velu, l'homme de SNCF, qui avait, pour son premier championnat de France, avait été sacré champion de France. Allez, il faut pointer. Allez, mon nom. Allez, pointe bien. Là, tu vois, moi je fais glisser de là, tu vois, là. Hein, sur ce petit plateau. Là. Hein. Allez, Manon. Allez, vas-y, prends ma vie. Allez, Jean Feltin, dans ce rôle si particulier de milieu. Et pour l'instant, il s'en est bien sorti. Hein. Pour l'instant, il s'en est vraiment bien sorti à part une semaine. Bravo, bravo. Allez, mon Fifi. Allez, mieux, fais plaisir. Allez, dernière boule pour Philippe Suchot. Qui a toujours pas manqué. Bien. Et voilà. Bravo. 10 sur 10 pour Philippe. Petit chevalet, une énorme finale là, pour le moment. Et notre directeur technique national, Jean-Yves Tournet, qui nous sert de statisticien dans cette finale. On ne me démentira pas, je crois que c'est ça. Et 10 sur 10, hein, Jean-Yves. Non, je vois. Pour Philippe Suchot. Ah, tu es là. Ouais. Allez, bouge le trou là, bouge là encore. Allez. Allez, Mano. Allez, Mano encore. Mano. Ah, mais voilà, vous voyez Marco. Il a gagné ou il a perdu? Pose la boule. Hein? Je la pose la boule. Et voilà. Comment tu fasses? Je la pose. Je vous dis que c'est du marbre, hein. On joue sur du marbre. Hein. Il faut les... Je la pose. Il est pas chez nous, Marco, là? Hein? Il est pas chez nous? Moi, je préfère la leur. Hein. Je regarde, moi. Ils ont trois boules encore. Oh, les catas, alors. Je la pose. En pointant, on fait des catas. Hein. Ouais, c'est un peu la clé. C'est la clé. Il a le point. Ah, c'est vrai que sur ce terrain, il faut, trouver le fil. C'est pas simple. Allez. Allez, Toto. Allez, Toto, laisse venir. Tranquille. Allez, regarde, Toto. Ça t'as tout le départ là, comme Moineau. Ça t'amène là, gentiment. Dès que tu gagnes là, tu as bien joué. Regardez, il se pose pas de questions. Et puis, il se baisse pas. Hein. Il joue debout. Je sais pas pourquoi. J'ai bien joué. Il le dépose. En jouant debout. C'est parfait. Allez. Allez, Fifi. Allez, Fifi, encore. Allez, Fifi. 39 minutes de jeu dans cette finale déjà. 3 partout, égalité parfaite. Fifi de Quintet. Au tir.
Bravo. Oh oui, Caro est pile derrière. Puni. Caro. Mais une belle main hein, en perspective. Ils ont deux boules de rajout et deux points par terre. Les Allez. Joueurs de Dreux. Premier peut-être. Premier. Allez Manu. Premier fait, fait marquant dans cette finale. C'est d'aventure. Effectivement, il venait à rajouter. Manu Lucien et Philippe Pient. Apparemment, là, ça ne va pas trop poser de problème, mais sait-on jamais. Celui-ci, il va y être. Voilà. Yeah. Oh, mais bien. Il a bien joué face au but. Oui, il a bien joué sur le côté pour éviter le bouchon. Et vous voyez quand même, hein, Laurent, quand Manu Lucien prend la première place, j'ai envie de dire, vous voyez. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le contre hein, de Feltin, mais à l'arrivée, ça fait quand même une très belle main pour les joueurs de la Ligue du Centre. Philippe Quintet qui a enregistré le retour de son copain, de son poteau Philippe Suchot à Anche et des voix. Et voilà déjà en finale et voilà 4 France. Et 4 points et 3, ça fait 7 7 à 3, ils sont déjà arrivés à mi-partie, Quintet, Suchot Lacroix, ils mènent 7 à 3. Coffinoga invente Bismart. Bonjour, moi c'est Paul. J'ai pris un prêt Coffinoga avec le nouveau service Bismart pour m'acheter une voiture. Mais quelques mois après, je perds mon job. Grosse galère. Comment garder ma voiture ? Heureusement, avec Bismart, j'ai pris une assurance gratuite la première année qui m'aide financièrement en cas de perte d'emploi. Et j'ai pu garder ma voiture. Smart, non ? Jusqu'au 14 juillet, profitez d'une assurance qui vous garantit 400 euros par mois pendant un an en cas de perte d'emploi. Découvrez Bismart sur coffinoga.fr. Aujourd'hui, tout le monde voudrait faire comme Leclerc. Tout le monde dit qu'il est le moins cher. Mais maintenant, Madame D n'a plus le moindre doute. Comme elle, toute sa famille peut vérifier partout. À Nantes, pas de doute, c'est bien Leclerc qui est le moins cher. À Nancy, pas de doute, c'est encore Leclerc qui est le moins cher. À Toulouse, pas de doute, c'est à nouveau Leclerc qui est le moins cher. Avec la borne, l'application ou le site, vérifiez vous-même qui est vraiment le moins cher. Leclerc. Allez, bon Manu. Sixième main. Ah, ils ont fait le break. Ils ont fait le break. Allez, Quintet, Lucien, Suchot, allez. 4 points d'avance dans cette finale. 41 minutes de jeu. Combien tu vois ? On va surtout suivre un petit peu ouais, je pense, ouais. La réaction de la famille Feltin, de ces jeunes. Même si Jean-Willy Feltin était vice-champion de France junior. Jean Feltin, vice-champion de France tête à tête, tête à tête, tête. L'année dernière, allez, en 2012. Allez, va, fais-en bon. Et le dernier titre hein, de champion de France pour les duettistes Quintet et Suchot, c'était avec Lacroix, la Dream Team. On remonte en 2010. Bravo, mon Manu, super. Et voilà, vous voyez, quand le moral va, en général, tout va. Et il a suffi d'une boule, la semaine précédente, pour le réveiller. Allez, là, c'est mène peut-être capital. Alors, hein. Soit les éroltés s'enfoncent un petit peu plus, ça risque d'être compliqué ensuite pour gagner. Soit ils réagissent de suite. Deux coups sont bons, comme tu veux, Marco. Le poteau, s'il est bien dedans, il peut faire du jeu. Allez, je vais pointer, je vais me coller dans la boule, je vais rien faire. À vous allez, faire point, qu'il y a déjà 5 titres de champion de France. Allez, les stats. Qu'est-ce que t'en penses, Toto? Le point, il est toujours bon hein, maintenant. Ah, celle-là, hein. Toto, allez, pas. Allez, Toto, c'est pareil. Elle lève la main. En frappant, on sera à 4 à 5. Allez, mon bonhomme, elle fait plaisir. Ouais, vérification, vous aviez raison, déjà, c'est 6 titres, non pas 5. Et là, 6 titres. Et là, c'est 2 trous. C'est manqué double. Topoto, Feltin. Et vous voyez, ce que je disais, on a un petit peu peur qu'il s'enfonce un petit peu plus à nos amis érotés. Et aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on disait là. Il faut, on va suivre tranquillement, voir leur réaction psychologiquement. Et la confirmation avec ce manqué double.
Allez. Allez, vas-y. C'est pas au meilleur moment là. Je vais essayer d'arriver 7 là. À 3. Allez Marco, gagne-le. Allez, on a vu tout à l'heure que Philippe Quintet ou Philippe Suchot en une boule peuvent retourner la main. Bien joué, bien joué. Ouais, Marco Foyo. Il aurait bien aimé embouchonner hein, Marco Foyo. Ouais, mais il est face au but en tout cas, même s'il n'a pas embouchonné, on ne sait jamais. Il a peut-être sauvé la coupe. Allez Philippe Suchot. Allez Fifi, encore. Attention, les tribunes. Ne pas gêner le tireur. Ah oui, parce qu'il a essayé de la frapper moitié boule pour ne pas justement sortir le bouchon Philippe Suchot. Et c'est son premier trou de la rencontre. Allez, celle-là. Il a pris un risque. Regardez comme il a tiré sur le côté. Allez, Fifi. Et voilà, il n'est pas droit. Oui, puisqu'on a l'avantage sur la main pour Quintet. Là, il va y tirer bien droit. Bravo. Allez, il a fait carreau et vous voyez, sans le but ce coup-ci. Comme quoi... Ils ont trois boules. Peut-être vers un septième titre de champion de France triplette. Ah, il est en train, mine de rien, de se forger un palmarès, Philippe Suchot, à 43 ans. Ah, bah, tu es gentil, hein. C'est pas le meilleur. Originaire de l'Allier. Je suis envoyé là, Toto, encore. Hein ? Je vais essayer de charger là, si j'ai le bonheur de passer. Allez. Et il faut savoir, messieurs, qu'il était au jeu méditerranéen toute la semaine, puisqu'il représentait la France, et il a perdu en demi-finale. Avec Bruno Le Boursico, non, semble-t-il ? C'est ça. C'est tout à fait juste. Ils se sont inclinés contre la Tunisie de Khaled Lakhal en demi-finale, qui lui-même a perdu en finale contre le prodige italien Daniel Rizzi. T'as coupé, ouais. Ah oui, celui-là, on s'en souvient. Hein. On s'en souvient au championnat du monde. Il avait été exceptionnel, ce petit Rizzi. J'ai déjà coupé l'autre. Ouais. Et chez les femmes, l'équipe féminine. Le problème, c'est qu'en pointant comme on a fait, on se condamne. Elle aussi perdu en demi-finale au jeu méditerranéen. On se condamne. Avec Angélique Papon. Ils ont deux points par terre, ils ont trois boules dans les mains. Ouais, on a ramené des médailles de bronze. Non, ils n'en ont pas deux par terre, dites à moi, là, je suis rentré. Ouais, mais ils en ont mis deux par terre avant qu'ils pointent. Alors là, Marco Foyou a joué et il a coupé le premier. Croisé dans le bouchon, maintenant, écoute, on ne revient pas à ce qu'on a fait. Allez, il faut que tu joues bien, toi. Allez, si d'avant tu es arrivé à masquer ça, l'envoyer, ce bouchon, ils ont fait le teint, il aurait fait un bouchon. Il aurait fait du bon boulot. Faut que tu passes sur ce petit un bouchonnet, hein, il peut prendre le bouchon, la moyenne de la voie. Regarde la pierre, elle te fait jeu là. Il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai que pour l'instant, la main n'est pas très bien engagée. Ah, bien joué. Ah, tiens. Il a fait la reprise. Super bien joué. Hein. Il a peut-être pas gagné, mais il a bien joué. Hein ? T'as gagné ou quoi ? Il a pas gagné, hein, messieurs. Enfin, tu l'as perdu, hein. Je le regarderai quand même. Une grosse boule et une petite boule, on va savoir. C'est pas à qui de commencer. À ce point-là, s'il fait pas carron, on l'a gagné déjà deux fois. C'est pour te faire plaisir, mais j'ai pas espoir. Hein. Ça va bien. Quoique, de ce côté, on est pas mal quand même. Hein. Vas-y, regarde-le, tu vois. C'est vrai qu'il fait du bien. Ce, de ce côté, ce on est pas mal. Le carreau de Philippe Suchot. Allez, je vais le mesurer d'aplomb. Hein. 14. Et pourtant, on a 5. Bien pointé hein, du côté des. Ça, des c'est érotés. Précis. Hein. Tain, vous risquez pas de vous abaisser, les mômes. Hein. Et vous voyez la différence quand Marco Foyou mesure hein, l'adversaire, hein, Philippe Quintet ou Suchot ou Manu Lucien, ne viennent pas voir. Ils respecteront sa décision. Chez le tendon, ils vont exploser. J'ai mal au mollet. Au mollet et au tendon, je te dis pas. Hein ? Ben ouais, mais j'y ai plus pensé, je suis dans le feu de l'action, là, c'est ce que tu veux. Alors, on va faire appel au corps arbitral, Patrick Dessé. Ils ont besoin d'être deux pour mesurer un point à 14 cm et demi. Ce qui va permettre ben, dites-moi. À la formation de Philippe Quintet d'aller se désaltérer. Heureusement qu'on n'est pas des points à 3 mètres, sinon il fallait une armée d'arbitres. Elle est là, hein, Jean-Michel, l'armée d'arbitres, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là, mais ils n'ont quand même pas tous venu mesurer ce point, rassurez-moi. Non, en tout cas, Patrick Dessé, il a été arbitre international, il a eu ce grade, ce titre à Marseille au mois d'octobre dernier.
Ah, il y a les supporters qui se déchaînent. Ça occupe. Ah oui, ça fait passer le temps. Et ça encourage Patrick Dessay à ne pas trembler. Regardez. Ah, on a fait le plein pendant tous ces championnats de France. Et il n'y avait plus de chambre de libre à 60 km à la ronde autour de Béziers, Laurent. Regardez voilà, ce, c'est ça, ce joli de France, cadre de boule. C'était merveilleux. Environ 16 000 spectateurs sur les 3 jours. Vous avez bien compté. Il y en a deux qui sont arrivés hier soir. Donc le point est à Marco Foyo. Ah ben voilà, alors ils ont donc Jean Feltin a bien fait de demander la mesure. Comme quoi on a bien fait de mesurer. Je l'ai dit. Allez vieux. Il a l'œil perçant, Moineau. Ah, il a dit. Allez, continue. On va essayer. Voilà, ce qui va générer une tentative de tir là de Philippe Quintet. Elle est belle à tirer parce qu'elle est dégagée. Mais après. Bravo. Voilà, vous voyez, il y a du gravier. Il a envoyé le bouchon hein, volontairement là, Philippe Quintet, dans un endroit où il y a un petit peu plus de gravier. Déjà, ça fait mieux pointer Manu Lucien. Et ensuite, pour faire des carreaux, c'est quand même plus facile. Le bronze titre de champion de France. Philippe Quintet. Allez, maintenant. Interférence. Faut que tu passes sur la pierre, Manon. Faut pas que tu touches la première. C'est bon. Tout ce qui est dans le bouchon, tu as bien joué. Hein? Allez, Manon. La pierre, elle te fait jeu encore. Tu la vois là, regarde. Le repère, c'est ça. Alors, ils auront bien pointé attention. Jusqu'à présent dans cette main. Mais ils auront subi la foudre des tireurs adverses. Allez, oh, fâche de bon. C'est écoute, scotché, si tu là. Prends pas la pierre, tu es embouchonné. Regarde, elle t'a bloqué. Tu rentres pas là. Le point là, il est gagné. Alors, tu rentres pas le point, il est gagné. Il y en a deux en tirant. Ça, c'est une certitude. Mais il y a quand même derrière là-bas. Pas cachée, mais elle est pas très appétissante. Comme tu ne dois pas y arriver. Attends, non, mais si tu prends pas, regarde, c'est là. Une boule Manu Lucien et une boule Philippe Quintet. Je pense aussi. C'est ça. Si tu joues en face, si tu rentres, il tire à 3. Tu l'attaques, tu peux en faire déjà 2. Allez, Manu. Allez, allez, même si les frappes pour la joue alors. Ah, c'est bien allez, vu, c'est bien allez, vu. Si Manu Lucien allez, le met, bah, Philippe Quintet n'ira pas prendre le risque mettre. D'aller tirer derrière. Si Manu Lucien ne rentre pas et en donne 3 en tirant, évidemment Philippe Quintet ira tirer. Elle est très appliqué Manu Lucien. Wow, bien joué. Il est peut-être rentré par deux. Il est peut-être rentré par deux. Ah, il y en a 3, il y en a 3. Bravo, super coup de Manu Lucien. Vous voyez qu'on avait raison de croire à son retour dans la partie. Alors je vais me rapprocher un petit peu messieurs. Peut-être, je pense qu'il y en a deux. Allez mesurer Maria. Mesurer le troisième. Habillez-vous un arbitre de hockey et allez mesurer. Philippe Suchot, lui qui a mal au dos. Oui, Philippe Suchot n'a plus de boule dans la main. Donc c'est normal que ce soit lui qui mesure, voire Manu Lucien. Mais pas Quintet, parce qu'il va jouer. Allez, on va rappeler l'arbitre, et bien dites-moi. Est-ce qu'ils vont venir à 2 ou 3 là? Non, ça va. Ah ben j'aurais jamais été en train de Patrick Dessay. Celle-là, va là, hein, d'accord. Celle-ci et celle-ci. Ouais. Alors, 2 ou 3. Bien joué, Manu. En tout cas, c'est super cool de Manu Lucien. Ouais, il risque de prendre cher encore là, la formation héroltaise. Allez, ça repartit. Voilà notre amuseur public. Qui nous fait les interludes pendant les mesures d'arbitre. Alors elle touche pas. On mettait la boule où elle était. Oui. Ah, il n'est pas à 3. Non, il y en a 2. Alors, il y a 2 solutions pour Philippe Quintet. Soit il joue dans la boule, il peut rentrer par deux. Pareil, soit il tire à 3. Tu rentres, c'est bien, non ? Faut peut-être jouer face à celle à Manu, de toute façon, il a protégé le bouchon. Hein ? Si tu le mets, c'est bien quand même. Si tu le mets, c'est bien. Puis tu vois, c'est déjà beau, non ? Moi, je joue carrément à droite dans la tête. J'essaie de le mettre, Philippe Quintet. On retrouve l'école, pas trop gourmand. On prend les points quand on. Là, franchement, Laurent, c'est pas le jeu de tirer. Le bouchon est protégé en plus. On les a vus chercher la gagne en demi-finale. Allez, Fifi, encore un petit effort. Ça a failli leur coûter cher. Ça a failli leur coûter cher. Face à cette belle équipe du Tarn, là, de la famille Bouer.
Vous voyez où? Je sais pas. Ils mènent de 3 et 4. D'ailleurs, ça se sentira. Pas bien, on a pour les. Ils font 3 et montent à 10. Pour les éroltés. Oh non, ça ne sera que 2. 2. Ah bah 2. Bah 2 points, néanmoins, supplémentaires pour Quintet, Suchot et Lucien. Ah, elle a bien tapé. Elle monte à 9 à 3. Il faut vraiment le trou, hein. C'est le plus gros écart. Ça servait à rien. Le score dans cette 68e finale des championnats de France. Vous n'avez pas les bourgeoises. Non, je déteste les bourgeoises. Je déteste leur esprit, leur intransigeance. La façon dont elles s'habillent. Bien sûr. Elles s'habillent comment? Bien, elles ne s'habillent pas, enfin, elles sont très ennuyeuses. Bien peignées, bien coiffées. And let the beat control your body. Nouvelle Citroën DS3 Cabrio. Oui? Oh! Don't stop me, don't stop me, don't stop me. C'est tellement mieux et plus rapide avec Visa, sans contact, mobile et e-commerce. Septième main. Le trou est fait. Le roi quinquin. C'est approché. Manu Lucien et Philippe Suchot tiennent pour le moment bien les rênes de cette finale. Il y en a qui espèrent une finale accrochée, pour le moment c'est pas trop le cas. Aïe aïe aïe, et retomber dans ses travers Manu Lucien. Ah, de ce côté il a du mal, et c'est vrai que ça c'est un peu plus compliqué. Allez, le public, on redemande, ils aimeraient bien que les spectateurs, que cette partie dure un peu. Allez Marco. Et donc on encourage l'équipe de Foyot et Teroltaise, ne l'oublions pas. Et encourage voilà, son équipe. C'est beau la pétanque comme ça, c'est comme ça qu'il faut la faire. Voilà. Bon, Marco, à toi. Allez, Marco, dans le but. Ah, il faut rappeler qu'il n'y a rien de fait, Laurent, évidemment. En demi-finale, l'équipe de Marco Fouillot était menée 11 à 6 par la formation de Zankouranik. Oh là là, c'est la misère. Et elle s'est imposée sur le score de 13 à 11. Tout comme celle à Philippe Quintet, d'ailleurs, qui était menée en demi-finale. Qui était menée, exactement. Et qui a su se forcer un petit peu sur la fin et profiter d'une petite baisse de régime de Tarnay de Bauer. On le répète, auteur d'un parcours formidable. Ah, il a moins de mal au talon. Vous avez vu, quand il gagne le poids, il boite plus, notre ami Marco. Allez, bonne stat, 11,5 sur 14. Ah, il y a celle-là aussi. Ouais. Là. Ouais, il a joué là, ouais. Tirer, c'est nul. Hein ? Il faut tirer, ouais. Il faut tirer, il est bon celui-là. Je prends tirer, là. Allez. Je vais venir la mienne. J'imagine que tu viens de te foutre dans la boue, c'est pas le top. Je vais tirer, hein. Je vais tirer. Allez, j'essaie de la pousser, le tirer, mais elle est plus là. Il est bon celui-là. Allez, Fifi. Allez, on va tirer côté Eure-et-Loire. Oui, on va casser. Philippe Tuchot qui a manqué sa première boule la semaine précédente. Bravo, et qui frappe encore. Bien, non, bravo. Ah, il est quand même sur une sacrée moyenne, le Suchot là. Je crois que Jean-Yves Perronnet ne me contredira pas. Et il est allé à 12 sur 13, c'est ça. C'est bien ça. Il n'a pas pointé une seule boule dans la partie. Et comme on attaque à la 7ème main, et bien voilà, ça fait 13 boules jouées. Vincent Palais, 2 mètres derrière. C'est vrai que Laurent, Philippe Tuchot, on l'a oublié, enfin on l'oublie pas, c'est l'homme des finales. Hein. Les finales, de toute jamais, façon. Il ne perd jamais une finale. Et puis surtout, il est rarement mauvais dans une finale. Hein. Il est toujours incroyable. Non, mais il est déjà là. Bien joué encore pour Marco. Ah, il faut qu'il retrouve un peu son allant des deux premières mains, Marco Fouillot. Il a fait clac. Il n'a pas gagné. Oh, qu'elle a cassé un cardan, ma boule. Je crois qu'il y a un cardan la voiture. Voilà. Bon, allez, les jeunes, j'ai besoin de vous. Hein. Allez, ça y est. Allez, Manu. Allez, va, on va le gagner. Allez, l'encouragement de bien dosé, bien tombé.
Philippe Suchot. Ah, sa première, elle n'est pas jouée à Manu Lucien. Ils ont besoin de lui. On l'a vu, dès qu'il pointe bien, ça va tout seul. C'est gagné. Super, c'est gagné. Manu, bravo. Voilà. Ça, c'est bien, un coup sur deux, c'est bien. L'impression qu'il souffre, Manu. Ah, il souffre, ça, c'est sûr. 6 sur 12. Hein. Sur 12, pardon. Ah, oui, bah, oui, pour Manu Lucien. C'est du 50%. Lève la main. Aïe, 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 aïe. Jean-Willy Feltin qui avait bien débuté et qui bricole un petit peu maintenant. Il a fait manquer double la main d'avant, il vient de manquer là. Il reste sur 3 trous. Il n'y a pas le feu, mais maintenant, maintenant il ne faut plus. Hein, attends, il veut les perdre encore. On est 9. Attends, combien ils ont de boules? Combien ils ont de boules? Ils ont 3 boules, Marco. Il y a qui là, celle-là? Ah, eux. Et là-bas? Ah, il a une boule, le point. Il faut qu'il fasse attention, messieurs. Oui, parce qu'on est à 9. Oui, mais sur le plan large, vous allez certainement le voir. Les deux boules derrière sont l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot et Emmanuel Lucien. Donc il ne faut pas, peut-être pas partir à l'abordage. Pardon, vous avez remarqué, Marianne, c'est que Jean Feltin, lui, n'avait même pas vu tout ça. Et il voulait envoyer son cousin au tir. Il tape 3 fois, ils ont gagné, terminé. Et c'est Marco Fouillou qui l'a un petit peu stoppé. Voilà, attends, le point, il faut que je le gagne déjà. C'est du boudon, c'est de la route. Allez, colle-moi une rustine. Allez, Toto, fais un carreau là, allez. Allez, Toto, allez, là. Allez, bon, allez, regarde, toi, t'as le bouchon dans le cou, allez, pousse. Surtout que le but peut aller dans les boules adverses derrière. Là, ah, c'est bien, voilà. C'est bien, il a frappé en plus les deux. Si on tire pas là, on tire, on peut plus jouer. D'accord ? Regarde, tu y as cassé la sienne maintenant, voilà. Voilà, là, la mène un petit peu. Et moins désespérante, on va dire, pour Castelnau-Lès. La demi-finale, il était tiré au point. Allez, Fifi, essaie de la pousser. Pas facile à gagner, celui-là. Allez, allez Fifi, encore. Allez, trois boulades, on va tirer quand même. Même s'il n'y en a qu'un en tirant, en frappant, on répond. Ils peuvent encore gagner. Hein. Bravo, c'est bien. Non. Bravo. Là, les deux sont noyés. Les deux boules sont noyées, deux boules à deux, deux boules Feltin, deux boules Quinté, voilà, boule à boule. C'est dur pour tout le monde, Toto. Hein. C'est dur pour tout le monde, alors, tu sais. Allez. Il va venir ou pas, Marco, là, non? Qui boucle en 13 sur 14. Je sais pas. Et Bourifa, dans 3 carreaux. Fais voir. Merde. Moi, j'ai fait partir. Alors, attends. J'ai fait partir Bassett de là, parce que là, regarde, il n'y a que des pierres. Tu vois, ici, là, j'ai fait partir Bassett. Là. On va faire partir pareil. Allez. Fais partir de là et rentre dans le bouchon. Quand on allez, Mono. Fais partir de la bassesse, c'est-à-dire qu'on va enrouler tout doucement en demi-donné. Voilà. Demi-donne. Ah, et un petit tout. Là, je te montre si tu veux. Là, allez, vas-y. Non, non, mais je sais que c'est là. No problème. Là. Allez, on enlève l'ombre. Voilà, c'est avance, gagné. Hein. Tranquille. Voilà. Philippe Quintet va les tirer. Allez, Philippe, allez. Allez, il est sur une bonne moyenne. Quelqu'un. Philippe Quintet, il a manqué. Allez, il a manqué sa première. Allez, Philippe. Alors, est-ce que ça. Ça et après, Marie est descendue sur le carré d'honneur le voir jouer pour le moment. Elle est restée bien à part depuis deux jours. Elle n'a pas envie de porter la poisse. Allez, toujours. Les imbéciles dans le public qui se croient intelligents en faisant du bruit ou en parlant pendant que les joueurs évoluent. Bravo. Frappé. Imperturbable. Philippe Quintet. On a parti derrière. Le bouchon, il vient là. Le bouchon de coin, il vient là. Allez, Mano, encore. Tu vois, regarde. C'est l'heure de jeu hein, dans cette c'est finale. C'est là et c'est là. Il faut que tu envoies ici, là. D'accord ? Boule à boule. Allez, voilà. Feltin face à Quintet. Allez, là. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu Philippe Suchot parler, messieurs. Oui. S'il y a un déplacement selon où Jean Feltin va jouer, il faudra faire attention au but. Hein. S'il se déplace. Ils peuvent gagner. Voilà. Et là, en plus, il va le lui gagner. Non. Ah, elle n'a pas gagné du bon côté. Exactement. Il fallait qu'il se déplace de l'autre côté, le bouchon. Exactement. Il attire à la marque, Philippe, il a presque 2 mètres pour rester. Ça peut faire encore une belle mène pour les joueurs de l'Eure-et-Loire, Laurent. Nouvelle confirmation. Allez, Fifi. De leur suprématie pour le moment, dans cette finale.
Elle est sortie, oh là, celle-là, elle est sortie avec le coude. Ah, c'est rare de voir tirer Philippe Quinté comme ça. Hein. Ah, il l'a vu tout de suite. Ah, ben oui. Ah ben, ça faisait longtemps hein, que Marco Fouillot et les cousins Feltin n'avaient pas inscrit le moindre point dans cette finale. Encouragé certes par ce public chaloureux. 9 à 4, 5 points de retard pour Marco Fouillot et Jean et Jean-Louis Feltin. Allez, 9 à 4. 8e main. Ah, ils ont toujours. Mal sorti. On a de sécurité, comme on dit, Quinté, Lucien et Suchot. Ah, il faudrait que Marco Fouillot là, et ses deux coéquipiers viennent à se concrétiser une nouvelle fois sur cette main, marquée main de 2, pour se remettre un peu dans la partie. Allez, Laurent. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Palavas. Et maintenant, on va parler de Pézenas, notamment, entre autres. 22, 23 et 24 juillet, national, 44e national pour le plus ancien national de France, cher à Michel Chambert, qui est toujours là, qui a perdu du poids, mais qui est toujours là. Et ça se déroulera donc à Pézenas dans l'Hérault, 22, 23 et 24 juillet. Et auparavant, la plupart des joueurs ont été à Nice, évidemment, pour l'Europétanque, qui se déroulera sur les jardins de la promenade. Et nous serons présents pour les demi-finales et la finale en direct. Le lundi 21 juillet, nous y serons, Laurent, c'est ça ? C'est ça. Et puisqu'on y est, et le finissons par le 21e national de pétanque de Carmaux, 2, 3, 4 et 5 août. L'ancien président Thierry Bassegui, d'ailleurs, était ici à Béziers, ami intime de Jean-Michel Vidal. Il est venu voir ce championnat de France et là, il est reparti dans ses mines. C'est charbon. On le salue et ça n'empêche que et on l'embrasse. Le national de Carmaux aura lieu dans le parc du Candou. 2, 3, 4 et 5 août prochain. Allez, mets la bonne. Allez. Allez, va. Elle est bonne. Ah oui. Cette fois, il joue debout, hein, Marco. Marco. Voilà. Bravo, hein. Super. Il a joué debout, il a monté. Et c'est un bon point. Allez, un très bon point. C'est tout bon. Le bouchon est assez bas. Allez Manu. Un petit peu rapproche. Alors, pas simple, hein, la reprise. Mais pourquoi pas. Bravo Manu. Bravo Manu. Ah, qui est bien joué, Manu Lucien. Ah, il se retrouve, c'est bien là, depuis 3, 2-3 mains, il est bien. Il y a une boule sur deux. Ah, là, il y a deux mains, il avait même joué deux. Et ben voilà. Ah, là, là, ton Toto. Voilà. Ah, le premier carreau. Ça, c'est ton tir, ça. Bien, mon Toto. Jean-Louis Feltin, Laurent, il n'a pas besoin d'une minute pour jouer. Non. La boule adverse n'est pas arrêtée, qu'il est déjà dans le rond. Il arme et il tire. Hein. Ça, ce sont des tireurs d'instinct. Je me dirais qu'il n'a pas le temps de gamberger. Au moins, il ne réfléchit pas. Minimum de préparation. Au maximum d'efficacité jusqu'à maintenant. Ah, il est légèrement passé, Lucien. Il l'a envoyé trop vite. Il est légèrement passé. C'est juste un peu vite. Celui qui l'envoie 10-15 cm avant, ça donne. Il fallait qu'il la joue comme sa première, tout simplement, qui était parfaite. Bah, ils vont tirer. Ils vont tirer, ils réfléchissent plus. Maintenant, ils tirent de plus en plus. C'est chaud et Quinté. Surtout que. Il serait temps de s'en priver. Ah, bah, c'est bien. C'est chaud, il manque pas. Bravo. Ah, ça aide. Ça aide, hein. Je pense. Ouais. Regarde, derrière. Belles images de notre réalisateur avec Rosa et toute son équipe. Et oui, les trophées. C'est le vrai jeu de pointer. Et plus de 3500 spectateurs pour assister à cette finale. Et encore, il y a des gens un petit peu partout sont. Oui. Parce que le carré d'honneur est dans une cuvette. Hein, donc il y a des gens qui sont postés tout en haut. Et qui suivent la finale d'en haut. Ah,
Sur 3500 personnes, le problème, c'est qu'il y a toujours deux ou trois abrutis. Et ben voilà, on en a entendu un tout à l'heure, là c'est un second. Au bout de trois, il y en a un gratuit, on dit. Allez, la rejoue debout, Marco Fouillot. Ça monte, sans souci. Super. Allez, vite. Allez, encore. Allez, Philippe. Allez, voilà la seconde de boule manquée. Pas droit. Par Philippe Suchot. Voilà la deuxième. Il y avait la distance, important. Quelques 1 cm. Ouais, juste pas droit. Hein. Ah, j'ai vu. Fracassé. Ah, les pipis, ça va gagner. Tu peux gagner encore. Allez, une demi-heure avec le bouton. Allez. Allez, Philippe. Ah, Philippe, il a eu deux boules importantes à jouer là. Il a retourné la main. Allez, mieux. Depuis le début, tout comme le fameux carreau, Philippe Suchot là, qui avait fait du bien. Sur une deuxième ou troisième main. Ah, il s'est bien aidé, c'est bien aidé de la boule de Fouillon, mais il a gagné. Le petit bec qui va bien. Allez, trois boules à une. Ah, il y a la place de marquer encore hein, pour les éroltés dans cette semaine. À condition de bien tirer. Ah, ça leur ferait du bien. Ça leur ferait du bien. Elle est partie, elle est partie, elle est passée. On ne demande pas plus. Oui, Jean Felten n'a toujours pas tiré. Hein. Allez, encore. Au milieu. Ah, ça prouve, hein, ça prouve bien que ce sont Quintet et Suchot qui tirent le plus dans cette partie. Et un mot aussi, Jean-Michel, pour dire que les prochains championnats du monde seront du côté de Tahiti. Ah oui, 19-23 novembre 2014. Ouais, ça sent officiel. Oui. Et c'est un pur régal. Ah, c'est un pur régal, vraiment, parce que l'équipe organisatrice. Ka et Joël, là, qui sont là. Qui est réunie autour de Joël de Gage, là, qui est le président de la Fédération polynésienne de pétanque. Ils sont en train de nous concocter quelque chose de magnifique. Puisque regarde bien ton départ. Ah, il y aura des tarifs, des tarifs préférentiels, que ce soit en avion ou au niveau de l'hôtel ou du logement. C'est incroyable. Et vraiment, c'est l'occasion de joindre l'agréable à l'agréable, j'ai envie de dire, puisqu'un champion du monde, ça reste agréable. Tu veux charger dans la mienne. Elle est passée une dizaine de jours, voire 15 à Tahiti. Ça c'est reste un moment inoubliable. Là, si tu envoies là, c'est à l'air d'être souple. Alors, ils vont créer, ils vont créer un site internet en temps et en heure. Tu on vous tiendra au courant, évidemment. Tu première, là, tu y es. Vous aurez tous les tarifs, toutes les possibilités de vol. Ouais, avec la K Brown, la Marion Barthélémy de la Polynésie. Ouais, enfin, elle vous a tapé dans l'œil, celle-ci. Hein. Wow. Pour Marion Barthélémy de la Polynésie. T'as moins de parcours à faire, Mano. T'as moins de parcours à faire. Allez. On met du sable là encore. Tu as le droit de boucher ton trou. Il gagne encore. Il est où ? Là, là, il est là. On voit que lui, là. Tu le vois pas, là ? Là, voilà. Allez, il y a deux points. Hein, deux points pour Mono. Et l'occasion de revenir. Hein. Et enfin, arriver à concrétiser de même. Allez, Mono. Oui, il faut surtout qu'il fasse attention de ne pas jouer en face du but quand même. Hein. Il faut qu'il joue face à ses deux boules. Voilà, comme il a bien fait sa première. Voilà. Et un peu à l'extérieur. Mais ça fait deux. Parti de travers. Ça fait deux. C'est bien, ils marquent encore les 0-2. Deux. Ils étaient menés 9-3, 9-4. C'est la frappe, hein. Et voilà, un 9-6 pour Marco Fouillot à la sortie de cette 8e main. Allez, plus que 3 points de retard pour les Héroletés. Vont-ils recoller, revenir à hauteur de Philippe Quintet? Tout à l'heure, c'est pareil, j'avais perdu d'abord. 9e main. Ouais. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour Quintet, Lucien et Suchot. Il en avait 6. Je jouais pareil. Gros écart entre les deux formations dans cette finale. 1h12 de jeu. 9e main. Allez Marco. Allez,
Je suis content que Marco Fouillot a repris un petit peu le fil à la pointe, mais regardez, pour son équipe, ça se passe un petit peu mieux. Deux mètres consécutives où il marque. Et un bouchon à 7m30. Oui. C'est assez court. Allez derrière. Allez derrière, il est passé de 80 au moins. Bouchon de 7. Deuxième main qui est à 7 mètres. Ouais, il est passé derrière d'un petit mètre. Là, il a joué sa boule à 8 mètres. Ouais, mais quand on met un bouchon pas très loin, alors la pire des bêtises, Laurent, c'est de mettre sa boule derrière. Allez, gagne-le, fais tirer. Parce qu'elle va être en contre tout le temps. Alors, ça va, Philippe, chaud, ça décontracte. Petite boule qui manque à chaque fois. Pas la main, la chaleur. Oula, il est tombé. Lucien, il manque de régularité, c'est incontestable. Alors, je ne sais pas comment il va jouer sa deuxième, mais si on peut regarder son positionnement dans le rond, il était en haut du rond. Il est à contre-jeu, en fait. Oui, il est à contre-jeu. Il est à contre-jeu de la pente. Voilà, on va le voir certainement. Voilà, regardez, il est complètement là. Donc, il faut vraiment qu'il rectifie avec le poignet. S'il ne le fait pas, il sera forcément bas. Ouais, voilà, c'est ouais, il est encore de l'autre côté, il est encore de l'autre côté du bouchon. Ah, c'est pas normal. À ce niveau-là, il doit être plus régulier, Manu. Surtout que chaque fois qu'il a bien pointé, ça a bien fonctionné pour son équipe. Ah hein. Oh, oui, mais c'est ça les boules derrière, Laurent. Alors c'est vrai que c'est malchanceux, mais c'est une boule derrière. Parce que là, regarde, c'est toujours pour eux. T'as qu'à poser un palais là. Contre encore, enfin, deux contre. C'est toujours pour eux. Tiens, tu fais la finale, hein. C'est pas vrai ça. Tu fais un concours à saucisson ou au jambon, ça va, mais là, c'est pas vrai ça. Ah oui, il peut s'en prendre qu'à lui-même, Marco Fouillot, Laurent. Il avait qu'à la laisser devant. Il faut les supporter. Ne trompe pas la main, on est 4 boules à 4 là. 4 boules à 4, on en pose un, regarde la main, on revient sur eux. C'est pas dit qu'il allait regagner encore, il pouvait le repère le point. Et sûrement qu'il se perd. Tu peux être ensemble dans la partie, dans la même. Oh là, c'est hyper. Et Marco Fouillot, il en a combien de titres ? C'est la mienne, ça là-bas ? Il a mis, je pense, à 4 titres national. Il en avait gagné. Ben ouais, mais il avec La Pietra et Lucchesi. Il en a gagné 2 avec Passo et Faré. Et il avait dû, je ne sais plus, il en a gagné un 4e ou si c'est 3. Exactement. En tout cas, c'est 3 ou 4, c'est sûr. Il en a gagné 2 avec Passo et Faré, sous les couleurs héroltaises, évidemment. Ah ouais, Marco. En 97 et en 2000. En 97, c'était à Chartres, chez Philippe Canté. Et en 2000, c'était à Nevers. Et c'était en 88 avec La Pietra et Lucchesi. À Tarbes, effectivement. Allez, René Lucchesi. Grand nom de la pétanque. Derrière. Ah mais là, ça fait rien parce que là, il est quand même beau. Il est quand même beau. Allez, Philippe Suchot. Ah oui, il est court, Philippe Suchot. Ah, c'est pas une jolie main. C'est pas des choses. Allez. Allez, Philippe, pousse maintenant. Il va tigrer un petit peu, là, notre ami Cruchot. Je sais pas, je pense pas. Je pense que, bon, vous savez, celle-ci, elle est pas si mal tirée, un petit peu court. Bien. Voilà, il a relevé un petit peu le poignet. La boule est sortie du carré. C'est là-bas. En frappant 3 bouts, vous avez gagné. Hein. Mano. Si t'as pas le contre. Hein. Mano. Ouais. Tu le mets là, regarde, vous en tapez 3. Il n'y a pas à 2 là. On tire à 3 donc. Hein ? On tire à 3. Non. Non mais eux, ils ont combien de boules ? 2 boules. Ils ont 2 boules et nous on en a combien ? 3. On est là-bas et on est là. Mais ça c'est eux là. Moi. Ouais. Faut tirer de côté. Allez. Allez, voilà. Ouais, tire au point. Allez, Toto. Tire au point peut-être à 2. Ouais. Allez, Toto. Et peut-être à 2. Mais Marco, il le sait que ses jeunes équipiers préfèrent tirer que pointer. Hein. Oh. Eh oui, sauf que voilà. Sauf que voilà. Ton poteau, frère. Toto, ta place est là, c'est la plus belle à tirer. Gagner la partie, presque. Parce que si t'as le bonheur de rentrer, que tu poses une ristine ici, il est obligé de jouer là vers Il y avait de l'idée. C'était le jeu, il n'y a pas à regretter, c'est le jeu de boule. Mais oui, c'est le jeu. C'est pour ça que je te disais que. On n'a pas à regretter, on n'aurait pas gagné, puisque même si on avait 7, on n'aurait pas gagné. Bon, ouais, mais si on joue bien, tu passes devant. Eh ben, allez, on bouchonne maintenant. Allez, il est là le départ. Mano, regarde. Ouais, ouais. Regarde-toi. S'il se lâche un peu,
il est capable, lui, avec le tir qu'il a, de faire carreau et remonter dans le bouchon. Regarde, il est là, le coup. Hein. Regarde. Ça va, fais gaffe parce que. Ouais, je sais. Il va y avoir le. Ouais. Ah, il y a la minute, même si on est assez. Ah non, c'est là. Bon, jusqu'à maintenant, ça a été bien. Hein. Oui. Ça s'est joué dans la minute tout le temps. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas eu à intervenir, M. Dessé. En dessous ouais. Ici. Oh, oui, de toute façon, c'est censé c'est de gagner. Hein. Philippe voilà, Kenté va tirer. Jouer. Ça, c'est des mains de. Parce que des belles. Sans faire carreau, je la frappe, tu continues ben, mais en plus, à tirer mais, au point. Non, mais toi, en plus, t'es obligé de cadrer. Ils ont pris une boule dans le jeu. Toto, on tire trois fois là, frère, tu passes devant, tu peux faire 12. Ouais. Là, vous explosez le stade. 12 à 9, frère. Là, tu. Ça y est, c'est fait. Tu excites tout le monde. Il prend un peu des raccourcis, notre ami Jean Feltin. Ouais, non, mais c'est vrai, il est monté à 12. Il est opportuniste, il est optimiste. Il va faire ses mots croisés directement à l'encre. Bien. Voilà. Ça va. C'est frappé, oui, c'est frappé. Boule à boule, le point pour l'heure et loire. Pour la marque. C'est bien. Te mettre dans le bouchon, ça serait pas mal. Ouais, je sais. Hein, tout ce que tu es autour du bouchon, c'est bien joué. Allez. Regarde là. Allez, mon Bruno. Tu vois le départ là ? Voilà. Allez. Les deux boules sont importantes, hein, messieurs, parce qu'il va certainement le gagner. Et si Philippe Quinté frappe, il va maintenir l'écart. Mais surtout qu'il va mettre 50 pour rester éventuellement. Voilà, il a gagné, mais Marco Foglio est venu de se mettre face au bouchon. On en est assez loin. Ouais. Est-ce qu'il va tirer quand même, je pense, parce qu'il est tellement espagnol, compliqué à la pointe, ce jeu. Bien. C'est vrai qu'il est pas simple. C'est vrai, mais elle a tiré quand même pour Philippe Quinté. Elle est dégagée, il n'y a rien qui craint. Miserée. Allez encore, Fifi. Miserée, petit palais, moi. Petit palais, ouais. Je vois arriver. Ouais. Ah ouais, vous voyez arriver, mais moi aussi je le vois arriver, celui-là. Dernière boule, effectivement, de cette 9e main dans les mains de Philippe Quinté. Cool. Oui. Il n'a pas fait le palais, mais il a frappé, ça fait un point. Allez, un point supplémentaire pour Philippe Quinté, Philippe Suchot et Manu Lucien qui montent à 10. 10 à 6. 4 points d'avance pour le roi Quinquin. Georges est sur tes boules, Foldamia. Elle va jouer la 10e main de cette finale. Avantage à la ligue du centre. 10e main. Allez, Manu. Il leur reste à conclure cette partie. Philippe Quinté. Allez, mon Manu. Philippe Suchet, Manu Lucien, c'est souvent plus difficile. Allez. On roule de conclure une partie. Départ droit et maintenant. Eh ben, du Lucien, je peux vous dire qu'il encourage. Hein. Philippe Quinté, Philippe Suchot. Ça sent vraiment, on sent qu'il y a une véritable amitié entre eux. Parce que Manu, même dans les moments les plus difficiles, il a pu compter sur ses prestigieux équipiers, Laurent. Ils ont toujours été là avec lui. Il gagne de Nevers. Allez, mon Manu. 8,80. Allez, Manu. Qui a joué longtemps avec Stéphane Robineau, notamment. Je pense qu'il a de mémoire avec Dumont aussi. Et François Dumont. François Dumont, Vincent Demus, tout à fait. Toute la bande de Nevers. Ah, c'est bien, séché. Bien. Elle est dans l'axe, elle est déjà là. Elle est mieux ici que derrière. Ouais, mais c'est bien, ça, c'est les bonnes boules. Comme disait Marianne tout à l'heure, elle est face au jeu. Je dis, il faut rien lâcher. Et alors, c'est là, je t'explique quoi. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Hein. On y est tranquille. Non, Marco. C'est pour toi, ça. Ah ouais, mais je sais pas par où passer, moi. Parce que là, fais voir, montre un carte-toi. Là, il y a un champ de mine ici. Ouais. Fais voir, écarte-toi. Autant j'en vois là, peut-être. Fais voir. Oh là là. Oula. Hey, t'as juste à passer la boule, t'as le point. Hein, t'as juste à passer la boule, t'as le point. Après, il faut pas décaler là. Ouais. Allez. Ouais, parfois, il faut pas en avoir peur, hein, cette boule devant. On dit qu'en général, il faut la viser pour la manquer. Mais ça, c'est pour nous, parce qu'ils sont en droit. Pour Manu Lucien, c'est quand même un joli coup à faire, là, cette boule devant. Touche la tienne, c'est bien, mais tu gagnes nature, c'est bien aussi. Hein. Voilà, il a tout dit, Quinté. C'est-à-dire éviter trop de la jouer. Ah oui, mais s'il la manque, il faut pas le perdre, par contre. Voilà. Ça serait nature, c'est-à-dire que, voilà, bah, de faire la reprise en toute simplicité. Voilà, il faut jouer en face. S'il la touche, c'est le bonus. S'il la touche pas, il gagne. Dans ce boule, quelqu'un la touchera, va la faire. Hein. La grande chance. Mais ses coups de poignet. Ouais, mais les joueurs ne sont pas bien joués. Il a peut-être gagné, mais elles ne sont pas c'est bien dingue, jouées. C'est dingue, ça. Oui, mais elles ne sont pas bien jouées, Manu. Elle n'a pas gagné.
c'est grave. Là, c'est grave, Laurent. Parce qu'il est deux fois pareil. Parce que s'il doit passer quelque part, c'est au-dessus de la boule. Au pire, il peut aller tamponner celle de Marco Foglio sur le côté droit. Là, il est en dessous du jeu. Je peux t'en faire venir une, moi. Ouais, c'est pas dégueu. Des fois, touche un peu sur la Manu. Ah, voilà. Quel dommage. Moi, la Manu, tu peux le gagner. Il travaille tellement. Pas mal là, voilà. Ouais, pour les sécher, qui en fin de compte, quand elle touche le sol. Alors, certes, comme Dumarin, elle tombe toujours en bas du jeu. Ça, ça lance un coup de poignet qui faisait ça. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être mal tombé, je veux bien, parce qu'il le dit lui-même, on n'a pas de raison de ne pas le croire, mais ça fait rien, elles ne sont pas bien jetées à la main. Il doit envoyer la face à la boule de devant. Regardez Quinté, il envoie, voilà. Bravo. C'est bien joué, au bout. Et Manu, il ne peut pas nous dire qu'il est mal tombé sur ce coup-là. Il n'est pas bien joué, sa boule, c'est tout simplement. Oui, Jean-Michel, vous avez raison, mais Quinté, c'est Quinté. Il a envoyé à 8 mètres. Non, c'est voilà. Sûr, c'est sûr, mais bon. Je serais curieux de voir quand même, et vous allez le voir, vous, sur des ralentis, les sorties de main de Manu Lucien. C'est ça qui est important. À mon avis, elles ne sortent pas naturelles. Elles sont surprenantes et sont rarement les mêmes. On dirait moi quand je suis en pleine forme. À la pétanque ou je provence à tout ce que vous voulez. Non, mais c'est vrai qu'on va mesurer. Allez, 60 piles. Et on l'a vu en demi-finale, hein, qu'il a eu un petit peu de mal. Alors que ce matin, en quart de finale, il a été royal. Il était fantastique. Et oui, il est rentré par deux, Quinté. Il est rentré par deux. C'est même impressionnant, ce coup de poignet. Pas beau, les gens, Mano. Merci. Il était impressionnant en quart de finale. Au point. Ah, c'est pas grave, Manu. Il y a un petit trou bout. Et ils ont fait un parcours assez, on va dire, assez facile, c'est difficile, c'est pas le mot, mais tranquille. Ils ont sorti de poule avec notamment un duel dès 8h du matin hier face à Georges Simoès. Georges Simoès, évidemment, que tous les téléspectateurs le connaissent. Il faut pas que je le perde. Qui a été champion du monde en 91 et 93 avec Michel Casso et Philippe Quinté. Donc deux champions du monde face à face dès hier matin à 8h. Par contre, si je Quinté a gagné, ils sont sortis de poule, ils ont gagné la partie après les poules, puis ils ont tiré le blanc, parce que maintenant il y a un cadrage au championnat de France, on l'a dit. Et hier soir, allez, on va dire à 19h, ils étaient tranquilles, ils étaient qualifiés pour ce matin. Et ce matin, c'est devenu plus compliqué face au Nordiste et de Lecomte, notamment. Allez, t'es capable, Marco. Si je la joue bien. Fais une petite surprise, là. Alors, il y en a deux, hein, Philippe, allez, on a fait deux. Deux. Oui, il est rentré à deux. Ouais. Il a décidé de pointer, hein, côté roleté. Ça compense un petit peu là, cette boule partie à gauche de Manu Lucien. Qu'est-ce qu'il cherche notre ami Marco Foglio? Ah, il a dû entendre quelque chose dans le public. Non, il va y avoir. Ils ont passé la minute. Donc il va prendre un petit carton jaune, il s'y attend. Non, j'ai peur de la jouer. Maintenant il a le temps. Voilà. Ouais, il va attendre encore une minute, comme ça comme il ne la jouera pas. Comme ça il la jouera pas. Allez mon Marco, c'est pour toi. Allez petit. Mets-moi le bouchon soleil. Allez Marco. Allez, debout. C'est le premier carton de journée de cette rencontre. Non, très haut. Allez, Marco. Ah, bravo, bien joué. Vraiment, il a pris. Il a mis son temps. Il a pris le temps, c'est vrai, mais elle est bien jouée. Ah, là, voilà. Donc, il fait quand même une sacrée belle partie, Marco Foglio, Laurent. Hein, tout à fait. À titre personnel, il est excellent. Oui, mais ils peuvent siffler, c'est le règlement. Y a rien à dire. Mais le problème, Laurent, c'est que ceux qui sifflent là seront les premiers à siffler si un joueur met 3 minutes pour jouer une boule en disant que c'est trop loin, que les arbitres font rien. C'est ça le problème. Alors, comme ils sont jamais contents, autant les laisser faire. Allez, tout le monde va se défouler un petit peu. Allez Fifi. Allez petit père, c'est la bouche. Allez Fifi. Bien. Ah bien tiré, il voyait mieux parce que je peux vous dire qu'il est au pied. Fifi, bravo. Elle s'est pas donnée mais il a frappé, il y en a toujours deux. Imperturbable, égal à lui-même. Ah oui, chaud. Oui, enfin qu'il le perturbe, bon. Fifi chaud. Bah tout est à refaire, vous avez 4 boules, ils en ont plus que 2. Moi je t'ai montré, qu'est-ce que t'en penses toi Mano? Ah non, si vous voulez tirer, c'est... Mais il faut tirer, il faut en taper 4. Voilà. D'accord? Je vais vous dire Laurent, c'est presque le jeu de tirer parce que l'adversaire a 10 et un frappa déjà double, ils sont sûrs de la faire les volontés. Ils détruisent. Alors qu'au point, ils alternent une très belle performance et les celles un peu plus difficiles.
mais bon, ils ont choisi de pointer. Bravo. Ah, bravo, 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 bravo. S'il n'est pas évident à gagner. Hein. Toute élégance. Ah ouais, il a un joli geste, hein, Jean Feltin, vraiment. Ouais. Regardez ça, là, comment ça monte, hein. Rentrer un petit peu, allez, jouer à la perfection. C'est un cas d'école. Là. Allez, c'est chaud. Qui va-t-il noyer cette main, oh, possibilité main, de c'est compte. Pas trop grave. Hein. Bravo, oh, regardez, regardez, Caro sans le bouchon. Oh, ça semblait possible, il était en face. Hein. Bravo, hein. Eh oui, vous voyez, de pointer, c'est bien joli du côté Rolté Laurent, mais ça peut être très dangereux. Très, très dangereux. Surtout qu'en face, on a un garçon comme regardez, Philippe Tuchot. Regardez ce carreau. S'en fait punir. Une seule boule en même, et trois points par terre, et pas des petits points. Hein. Ouais, ils ont 10. Il y a vraiment danger là, ah ben trois oui. Boules à une, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, Marianne, mais est-ce qu'il ne fallait pas tirer du côté Rolté? Si tu le gagnes, c'est là, c'est bien. Oui, il fallait peut-être tirer, mais ils ont pris, ils ont voulu tirer la main d'avant, ça n'a pas réussi, ils ont peut-être voulu changer de stratégie. Mais là moi, je pense qu'il faut tirer à la première, parce que ça peut péter derrière, ça peut bouger derrière. Moi, je te ferai tirer là. Voilà. C'est à peu près ce que Marco a demandé. Parce qu'en tirant, tu peux tout débloquer la main là. Marco, il a compris qu'il fallait arrêter de pointer, il a compris. Si Philippe, il vient, il parce que s'il pointe, c'est à qui tout double. Voilà, s'ils jouent bien, s'ils en jouent 2 sur 3 de bien au tir, ils perdront pas quoi qu'il arrive. Ben voilà. Allez, j'ai confiance. Il peut casser les deux. Hein. Jean-Willy Feltin. Il faut y toucher d'abord. Oh, ouais, il a fait carreau, il a fait aucun contre. Aucun contre chanceux. Parce qu'il aurait pu taper les deux comme il a tiré. Tu as tiré trop droit avec la pêche que tu lui as mis là. Si tu arrives à la cadrer comme il faut. On retire, non? Eh oui, voilà, oui. Alors, finalement, ils vont tirer maintenant. Là, hein. Alors, vous le voyez certainement sur le plan large, les deux boules les plus proches sont à l'équipe de Philippe Quintet. La boule en troisième position est à l'équipe de Marco Foyot. Et il ne faut pas oublier la boule de Manu Lucien qui est de l'autre côté. Celle-là, voilà, elle est en quatrième position, effectivement. Allez, on va écouter parce que là, il faut réfléchir. Non? Que je prends? Je peux le gagner. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas de problème. Faut que tu pointes, c'est le vrai jeu de pointer. Parce que, ils sont là, de toute façon. Moineau pointe bien. Allez, Moineau. C'est importante, c'est du boule, Laurent. Ouh, aïe, 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 vous voyez, je vous. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais Moineau, regarde. Regarde. Il aurait pu. Regarde où tu viens d'envoyer. Ça semblait presque écrit. Ta première, tu as envoyé en chandelle, tu es tombé là. Il y a danger, Laurent. Il y a danger parce qu'il y a deux points par terre et une boule pour Philippe Quintet. On en parle. Contre une seule pour Jean-Louis Feltin. Si tu tombes là, tu embouchonnes. Et on rappelle le score. Hein. Vous voyez, 10 à 6. Tu les joues à peine plus, tu les perds. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Toto? Et on a dit, mais c'est un terrain difficile. Pointé, non? Pointé, ou alors si tu tires, c'est là. Après, il a carreau gagné là-bas. Ils vont droit au carton jaune, là. Et en frappant. Si tu le mets et que tu le gagnes, il faut qu'il fait carreau gagné pareil. C'est moi qui joue la marque. Allez, moi, je vois maintenant. Ouais, c'est pas Marco Fouillot que les boules, donc ça va. Voilà, ça y est, ça a sonné. Jean-Willy Feltin va prendre un jaune, mais c'est pas le plus important, j'ai envie de dire, pour l'instant. Hein, Mano, hein, je pareil que toi devant là. Ouais. Hein? Allez. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les mêmes qui sifflent parce que c'est un peu long. C'est les mêmes qui ont sifflé parce qu'on a pris un carton jaune. Voilà. Et je vous dis, c'est comme ça. Une boule capitale. Tu gagnes ou tu perds? Tu gagnes ou tu perds. Oh le bec, il est chanceux. Là. Ben oui, le bec, il a peut-être sauvé le coup là. Alors il a gagné, messieurs, c'est sûr, sûr et certain. Il a gagné. Et Philippe Quintet va tirer. Carreau gagné. Carreau gagné, mais il ne faut pas faire contre. Hein. Voilà. Allez, la boule d'un 12e titre de champion de France pour Philippe Quintet dans les mains. Ça serait... Un septième pour Philippe Suchot et bien sûr le premier pour Manu Lucien. Philippe Quintet, ça serait son quatrième en triplette. Hein. En quatrième en triplette. Parce que les trois premiers, il les a eu avec Suchot et Lacroix et la fameuse Dream Team. Allez, Zino, lui vient de, vous l'avez dit tout à l'heure, de remporter son 14e. Allez, carreau gagné, mais il ne faut pas faire contre. Hein.
Il va en faire un nettoyage. Il va en faire un, elle est pas si bien tirée pour faire carreau. Il y a rien mais à dire. Il garde la main sur le bouchon normalement. Ça Philippe faire 15. Philippe Suchot et Manu Lucien. Il monte à 11. Un point, c'est sûr, messieurs. 11, un point. À 6 sur 6 pour Jean-Willy. Jean Festin, Feltin, pardon. Ils feront peut-être un festin ce soir. Pour l'instant, le festin, il est plutôt pour Quentin. Je leur souhaite. Fait chaud, hein. Onzième mène. Il n'arrive toujours pas à conclure là, Philippe Quintet, Manu Lucien et Philippe Suchot. Il se désaltère énormément. Il a bien raison. Et on le comprend pourquoi. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit. Allez, mon ami. Bon, on va pas se perdre. On a eu un temps merveilleux durant ce, ce championnat de France. C'est Philippe, hein, mais bon. Il a fait du bien. Il a pas fait du mal. Allez, Manu. Allez, Manu. Allez, tout de suite, va. Hein? Ah, tout à l'heure, on les a joués par là. Ouais, allez, 8 mètres 10, Laurent, pour allez, cette main. Allez, vieux. Ouais, Philippe Quintet essaye d'encourager et encourage. Ah, mais ils auront pas arrêté. Vraiment, ils ont été des équipiers modèles. Ah, c'est Suchot et Quintet avec Manu Lucien. On va encore regarder ça. Ça. Sa main. Il est plutôt bien jeté, mais il est au-dessus du jeu. C'est son coup de main naturel qui l'oblige à jouer à la gauche. Sauf que quand ça penche, il ne faut pas. Oui, celle-ci, elle est très bien jouée. Il est légèrement long, mais il est quand même à 40 derrière, pas plus. Hein. C'est très bien joué. C'est parfait. On va même se poser la question là, du côté de Marco Fruyo. On ne sait pas trop quoi faire du côté de Marco Fruyo parce que... On a un petit peu alterné, hein. On est parti à l'attaque, au tir, on a pointé. Et pour l'instant, ça réussit moyennement. Allez, Marco, 11 à 6 pour les joueurs du centre. Et on rappelle, hein, en demi-finale, face à Radnik, Marjorie et Robineau, Fouillou était déjà mené 11 à 6 avant de s'imposer 13 à 11. Allez, par le Saint-Esprit. Certes, mais le Saint-Esprit, parfois, il reste un petit moment au même endroit. Ah, superbe. Oh, il a gagné quand même. Il a gagné quand même. Elle a hésité cette boule. Ah, dommage qu'elle n'ait pas resté pour lui, qu'elle ait fait devant de boule. Mais on le chambre, hein, on chambre notre ami Marco parce qu'il aime ça finalement. Mais franchement, à 60 ans, il fait un championnat de France magnifique à la pointe et confirmé par cette finale. Hein, il est vraiment impressionnant, Marco, depuis le début du championnat. Bravo, Fifi. Bravo. Ouais, tout comme Fifi Suchot. Alors il a frappé, mais si les Héroltais se lancent au tir, ils auraient le point. Hein. Oui, c'est bien. Parce que la boule de Marco Fruyo n'est pas sortie, celle de Suchot non plus, mais elle est quand même plus éloignée. Allez. Il joue pour deux points, hein. Philippe Quintet, Manu Lucien et Philippe Suchot. Regardez ce public là qui sent, hein, qu'on arrive dans le money time. Ah, il faudrait qu'il fasse une grosse semaine, Marco Fruyo. Ah, ils sont pas d'accord en face. Hein. Mais c'est bien difficile. Hein. Ah, elle est pas mal jouée encore. Elle est pas mal jouée encore. Franchement. Il a gagné, messieurs. Ah, il a encore gagné. Hein. Il a encore gagné. Évidemment, il va se servir de la foule. Mais je vous dis, on peut vraiment lui tirer un grand coup de chapeau. Oui, je suis sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et ça ne nous empêchera pas de continuer à le chambrer. Ça fait quelques temps déjà qu'il est pas mal. Hein. Ça fait 35 ans qu'il est pas mal. Le compte. Et oui, Bravo, et oui. Les boules derrière, on l'a dit. Oui, et le point va rester à Marco Fruyo, hein, messieurs. Ouais, c'est donc là, ils sont 4 boules à 3 maintenant. Alors, c'est pareil. Allez, derrière. Allez, Manu. Allez, essaye encore. Ça fait partie du jeu. Philippe Fuchot a fait contre, comme l'avait fait tout à l'heure Jean-Willy Feltin. Allez, c'est à Manu Lucien. Elle était belle, c'est la Manu, elle passe, c'est bien. Allez, essaye de le gagner, elle est maintenant derrière. Je sais pas. Regardez encore, messieurs, le positionnement dans le rond. Hein. C'est assez bizarre. Allez, Manu Lucien. Bah, il croise pas son jet de boule. Et voilà, il reste complètement à gauche pour jouer une boule, alors que c'est une pente, donc il devrait croiser. Mais il a gagné.
Bravo, bien, bien, bravo. Elle bravo, fait du super. Chemin quand même cette boule. Hein, pour, incroyable. Pour aller de Béziers à Béziers, elle passe par Marossan, Servian et Villeneuve les Béziers. Hein. Vous connaissez bien la région. Je connais un petit peu, oui, mais bon, alors je peux vous dire qu'elle fait la route des vins. Ah, ah, super. Voilà, enfin, ce petit carreau. Ah lui, de toute façon, ça ne le perturbe pas plus que ça, Jean-Willy Feltin. Hein. Qui est du bruit, qui est pas du bruit, qui est des gens qui bougent. Allez Philippe. Essaye de le gagner. Hein, essaye de le gagner. Ah, c'est allez. Une finale du championnat de France pour ces deux jeunes garçons. Allez Philippe. C'est pas rien. Allez, alors, regardez cette image, si elle est belle, avec ces tribunes pleines là, je trouve ça. Avec ce soleil qui inonde vraiment le stade de la Méditerranée et ses abords. 3800 places ont été ainsi installées par tous les 3800 places gratuites, hein, parce que vous savez que maintenant la mode c'est de faire payer à l'entrée dans les carrés d'honneur des champions de France Ripette. Et bien Jean-Michel Vidal a dit non, c'est un sport populaire et c'est gratuit. Et ça sera le même carré d'honneur à Tahiti dans un an et demi, mais à 17 000 km. Il y aura 3800 places exactement. Et nous, j'espère. Allez, essaye de reprendre celle-là. Allez, viens te mélanger là. Ah, Fifi, essaye de te mélanger à la boule, ça serait bien. Ah, il n'a pas gagné, Fifi et Kenté, comme vous l'appelez, Laurent. Ah, puis il y a un nouveau prénom, il y a un nouveau surnom même. Il en a coupé un. Là, c'est Phil. Christian Fasino qui l'appelle Phil. Ah, le contre. Là, sur ce coup-là, il est un peu sur le fil du rasoir parce qu'il n'a plus qu'une boule. Trois à l'adversaire. Alors, Christian Fasino qui n'aura pas fait le doublé là, cette année avec Olmos et Wiesterstein. Ah, ils ont perdu. Ce matin en huitième de finale. Et face à Zoncoranic. Zoncoranic, Robineau et Marjorie qui ont quand même battu Fasino en huitième et qui avaient quand même battu hier les tenants du titre. Vébel et le Bourgeois. Dans une partie tout à fait exceptionnelle. Ouais, ouais. Alors on peut dire qu'ils ont fait quand même un sacré parcours. Hein. Théodie Vébel avait éliminé Sario, Fournier et Savin auparavant. Il risque de tirer la première, messieurs. Oui, c'est ça. Il va tirer la première. Ouais, il a raison, il n'y a plus de boulot. Ça peut croiser derrière. Ça va croiser, c'est d'aventure. Ah oui, mais le problème, il est là. Et le problème, il est là, c'est qu'il manque après avoir fait carreau. Et Jean Feltin va tirer. On est à la quoi 10-11e main. Première boule, ouais. Il n'a pas tiré encore, Jean Feltin. Et on est à la 11e main. Croyez-moi, ça a son importance. C'est parce qu'un garçon qui n'a pas tiré, c'est pas simple. Tirer la première boule à la 11e main. Surtout quand on est milieu, c'est vrai. Allez, par contre, il va tirer maintenant à la bonne. Il faut arracher la marque, oui, c'est vrai. Je crois que t'as les langues de la paix. Allez, légèrement à la sauter. Faut lever. Et voilà, ah, c'est la tête. Franchement, bravo, parce que c'est pas simple. Bien, hein. Moi non. Alors, maintenant, on va regarder. Marcel tire à deux. Ça, c'est à nous. Soit il pointe. Ça, c'est à moi, ça. Ouais. Tirez, Mano. Tirez, Marco. Hein ? Tire à deux. Je peux faire allez. Carreau, là. Allez, Mano. Carreau, toi. Allez, Mano. Allez, Mano. Allez. Écoutez, je vais pas essayer de pas leur porter la place, mais s'il frappe que le bouchon se déplace d'1m50 vers le bas et que la boule suit, il y a danger. Voilà, ça peut. Allez, de l'autre côté, c'est vrai que c'est l'occasion d'en faire deux, voire trois, elle est quand même belle, hein. Ah, il est pas droit. Eh bien, ça fera un. Petite opportunité, là, gâchée. Profite pas. Eh oui. Hein, profite pas. Bah ouais, profite pas. C'est ça, les opportunités gâchées. Néanmoins, ils arrivent à mi-partie. Marco Foyot, Jean Feltin et Jean-Willy Feltin sont menés 11-7. Et on va jouer la 12e main. Un point. 11-7. 12e main, 11-7. On a toujours pas conclu. Hein. Côté Quinté, Lucien Suchot. Ils attendent peut-être la fameuse 13e main. Généralement, 3 points maximum là, c'est là. Tout se concrétise souvent, statistiquement parlant. On est dans la même. Vous savez, Laurent, qu'on allait avoir une partie longue. C'est indécise et le lait, même si le score est pour l'instant en faveur des joueurs du centre. 1h40. C'est sûr, j'en manque, c'est mal tiré. Dans cette 68e finale des championnats de France, hein, triplette. On va préférer qu'on ait 8 de plus facile, tu vois. Mais oui, je sais bien. Hein, je sais bien. Faut ramer encore. On avait 6, mon nom. 6, on a frappé, ça faisait 8. Mais oui, c'est important. Bon, moi aussi, je tire bien la première et la deuxième. Avec une seule boule, tu peux tout éclater, Toto. T'éclates, tu fais carreau, c'est 5. Frappe 4.
attends, là, moi non, laissez-moi un peu le bouchon, je le vois. Allez. Pas quand vous êtes dessus. Il n'a pas joué loin, Marco. On va voir exactement à combien, mais on est aux alentours de 7 mètres. Hein. Si l'on en croit. Ouais, ouais, 7 mètres 60, vous voyez. Toi, la taper. Le bouchon est à 7 mètres 60. Je vais te l'aurais tapé. Bah ouais, Toto. Pour mire, pourtant, il est plus dur, elle a sauté, pas si. Ouais, t'as vu ? Faut que je lève la main, puis tiens, je tombe dessus. En 7. On a marqué. Et Marco Fouillot. Oh. Qui continue ? Continue son festival. Ah, c'est un canter, hein, la main d'avant c'était en demi-monnée. Cette main, c'est en envoyant. Voilà, il monte un petit peu toutes les facettes de son immense talent. Bon, pour l'avancer. Allez, mon petit Manu. Allez, essaye d'en mettre un bon et puis après on tirera. Allez, Manu. Jamais des fois qu'il en reste un bon. Allez, Manu. Allez, fais un effort, essaye d'en faire un bon. Allez, continue, Manu. Ah, il fait plaisir là. Il laissé bien la chaîne. Ah, il a dit, c'est du chaud, il fait plaisir là. C'était l'heure. Ah ben voilà, en quart de finale, ils ont envoyé tout comme ça. C'est bien tiré, allez, lâche-toi un peu. Il n'y en avait gâché aucune. Ouais, ton poteau, il est déjà au rond, lui. Hein. Voilà. C'est une bonne boule. Hein ? Bien, bonne boule, ça, quand tu es semé. Allez, s'il te plaît, pour Manu, ça serait bien. Manu. Allez, Manu, encore. Son temps. Allez, Manu. Bien, bien regarder sa donne. Et après envoyer la boule exactement là où on a regardé. Ça paraît simple. Et ben voilà. Et bien joué. De... Ah, aïe. J'ai parlé trop vite, Philippe, c'est chaud. J'ai parlé trop vite. Ah, t'avais bien joué. Hein. Celles-ci, elles sont vraiment bien jouées. Là, ouais, il n'est pas chanceux. Et il a vraiment masqué la boule. 12 sur 22, il a passé les 50%, il était tout à l'heure 50%, il en est à peu près 60, ça va un petit peu mieux. Pour moi, Lucien à la pointe. Tellement il a bien joué. Et là. Il tirait, non ? Ben, je crois. Hein. Il tire bien. Va tirer, Manu. Hein. On va en avoir deux. On va tirer. Hein. Allez, mon fifi. Allez, on va tirer dans la première, dans celle de Lucien, pour essayer de d'exploser la deuxième. Celle de Marco Fouillot. Il y a quelques chances, comme il y en a deux. Philippe Chuchot espère rester dans le carré, là. Pas très loin, vous faites droit. Bravo, oh, c'est beau, ça. Quel bonhomme. Il a dit, je peux en faire deux. Il a tiré carreau, il a fait carreau plein fer. 20 sur 23, plein fer. Eh oui, mais c'est un joueur incroyable. Toujours aussi motivé, toujours aussi. Joueur le plus titré dans ce championnat. En vrai, nous. Bravo, les noms. 4, mais ils en ont 2 jusqu'à. Toujours le même problème, à chaque fois on est. Après on est condamné à gagner tous ses points. Ah ouais, mais bon, parce que ça s'est passé comme ça. Hein. Ouais. Super. Là tu fais le. T'as fait la merde. Là... Attention là, parce que là il faut faire attention avec le temps. 30 secondes, c'est ça, moi, jouer. Et ça, Marco a joué. Il a déjà eu un carton jaune. On est mort. Hein. Ouais. On nous a allumé là. S'il joue pas rapidement, alors boule annulée. Allez. Allez, ça va, 16 secondes, il y a le temps. Voilà. Et il va jouer. Aïe. Elle n'est pas bien tombée, elle n'est pas si mal jouée. Elle n'est pas si mal jouée, Laurent, mais il est mal tombé. Il est mal tombé. Ouais. Il était très peu mal tombé. Ah, regardez, 20,5 sur 24 pour Marco Fouillot quand même. Ouais. Vraiment, il fait une partie à la pointe. Extra. C'est le pendant à Suchot. Ils vont se lancer au but là, messieurs. Ah, j'avais bien peur. Là, il n'y a pas 36 solutions. Parce que même en jouant les 3, ils ne sont pas sûrs de. Ils peuvent perdre, donc il n'y a pas 36 solutions. Allez, c'est bon, il a deux boules, c'est normal, c'est lui qui va le tirer. Qui a les deux boules. Allez, il a l'occasion de prolonger le suspense et de faire relever le stade. Allez, fais-nous résister. Jusqu'à présent, ça va. Allez, Mono. Allez, il a deux chances, hein, Mono Feltin. Et Dieu sait qu'il est capable de le faire. Il ne doit pas tomber très loin. Hein. Enfin, je suis droit, il est éclaté. Si tu es droit, tu l'envoies dans le. Eh oui, il est juste la caméra. Pas droit. Alors, juste pas droit. Fais plaisir au monsieur, tu me l'envoies dans la caméra là. D'accord ? Allez, Mono. Allez. Allez, on allez, Mono, là. C'est le moment. Allez, de toute façon, c'est le moment où jamais. Dernière chance, ouais. Allez, c'est parti.
Est-ce que... Oh, devant. Et là, il est devant. Eh bien, je crois que là, regardez, regardez du côté de Manu Lucien, on a le visage qui se décrypte. Et oui, qui va connaître certainement son premier fait d'arme, Manu Lucien. Manu Lucien. Ah oui, je l'ai en face de moi, croyez-moi. Franchement, il a rajeuni de 10 ans, là. Bravo, vous avez ? Enfin, on va pas encore, déjà, il faut quand même... La partie se termine, mais il est bien engagé, là. S'il vous plaît, un petit peu de respect, pas de mouvement de foule, s'il vous plaît. Allez, ça, il faut jouer, hein. Il faut jouer jusqu'au bout, il faut que... Il y a déjà des spectateurs qui ont compris, hein, bon. Il gagne le point et ensuite il faudra prier. Hein, côté Castellano vient. Après, il tombe sur le bouchon. Mais toi, tu dois faire 27 minutes. Ouais. 27 minutes, non. 27 secondes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes qui gagnent. Toujours les mêmes. Eh ouais. Ah, il a gagné. Ah, il a gagné. Il faudra faire un effort, Philippe Tuchot. Il faudra faire un effort, Philippe Tuchot, pour gagner, pour être champion de France et pour devenir l'un des joueurs, le joueur en activité, rester le joueur en activité le plus titré après, avec 7 titres en triplette pour Philippe Tuchot. C'est là que ça se joue. Il aura maintenant 6 frappes. C'est ça. Allez. Allez, s'il arrive pas. Le titre pour Quintet, Tuchot et Lucien dans quelques secondes, probablement. Et c'est terminé. Et voilà. C'est fait. Les nouveaux champions de France sont Philippe Tuchot, Manu Lucien, Philippe Quintet qui s'imposent sur ce score de 13-7. Une nouvelle fois, ces champions confirment. Et puis Manu Lucien, ben, rentre les deux pieds dedans là, dans la cour des grands. Marco Foyo ne remettra pas une ligne à son palmarès. Il remplace donc Philippe Quintet et il peut souffler Claudie Weibel, le Dantec et le Bourgeois, les nouveaux champions de France. Ils sont bien. Les meilleurs ont gagné, Laurent. Ils sont bien les meilleurs, effectivement. Qui s'est regardé, Manu Lucien. Ah, il y a de l'émotion, hein. Il y a de l'émotion. Ouais, il y a beaucoup d'émotion. Voilà, il s'impose. Ouais, Philippe Tuchot, grand sourire sur ce score de 13-7. J'ai retrouvé Marco Foyo, messieurs. Marco, tu as vraiment fait un appoint remarquable. Malheureusement, il a manqué un petit quelque chose. Eh ben, écoute, on se fait une finale avec, avec Domino, tu vois. C'est vrai que ça tient pas à grand-chose. On a eu deux comptes qui nous ont fait très très mal. On s'est perdu pratiquement 7 points sur cette partie, tu vois, et on en fait 7. On a manqué quelques mains. Bon, moi, c'est la première fois qu'on fait ce championnat de France avec ces deux jeunes. Il y en a un qui a 20 ans, le petit Toto. Et Moineau, qui est déjà champion d'Europe Espoir, ils ont un petit peu moins bien tiré que tout lors du championnat de France. C'est dommage parce qu'on avait vraiment le truc de gagner, parce que moi, c'était ma 13e finale. Tu sais que le chiffre 13, pour moi, c'est quelque chose. C'est pour mon anniversaire, mes 60 piges en 2013. Et puis surtout devant tous mes amis à Béziers, voilà quoi. Ça, mais j'ai un peu les boules quand même. Il y a de quoi. Allez, je vais vite essayer de retrouver un des champions de France très rapidement. Ah bah oui, Manu Lucien, ah oui, mais ça serait bien. Il faut trouver Manu Lucien, là. Il est où, Manu? Ah, il est là, Marie, il est juste derrière vous, Marianne. Derrière vous. Voilà, madame voilà. Madame il est Lucien. Là, Manu Lucien. Ah, il voilà. Est là. Allez, voici, les bisous attendront. Il y aura même son épouse, vous voyez. Bah, oui. Donc ils sont tous venus pour l'interview de fin. Manu, tu joues vraiment avec deux monstres. Ouais, deux monstres. Deux monstres, il n'y a rien à dire. Je suis peiné, en plus j'ai accroché la première, donc j'ai trouvé ça dur. Nous on trouvait, Manu, que tu avais un mauvais positionnement dans le rond. Non, je pense pas. Non, c'est parce que j'ai crocheté la première et après j'ai douté. Et voilà, et je n'osais pas les envoyer. Dur quoi, comme une première finale. C'est tout simplement ça, voilà. En tout cas, félicitations. Je pense que celui-là, tu vas le fêter. Alors je pense que je vais le fêter, oui. Je pense. Merci. À la manière d'un hivernais. Alors le retour va être long, hein, Laurent. Ouais, ça va jusqu'au centre de la France. Ben voilà, le nouveau champion de France 2013 se nomme Philippe Quintet. Philippe Tuchot, certains diront, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ah, c'est ce qu'a dit Jean Feltin à la fin. Hein. Mais il y a un nouveau et il doit se régaler, Manu Lucien. Sont donc les nouveaux champions de France. Voilà, merci Jean-Michel. Ben Laurent, ça a été un plaisir, vraiment. Un carré d'honneur magnifique ici à Béziers, une très belle finale. Et le plaisir de compter avec vous. Et le prochain, ça sera du côté de Brive-la-Gaillarde l'année prochaine.